Donc, je déclare cette séance de notre conseil municipal ouverte. Alors, il y a quelques absents excusés. Véronique de Balanda à Brigitte Boiron et Magali Nicole jusqu'à son arrivée à Claude Kopelansky. Alors, je vous propose de nommer, si vous en étiez d'accord, mais je sais que sur ce point, je n'ai jamais de contestation, Marie-Alice Bels comme secrétaire de séance pour passer à la postérité. Pas d'objection. C'est acté. Alors, vous n'aurez pas le plaisir pour certains de voter contre, puisque l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 mars vous sera communiquée ultérieurement. Voilà. J'en viens maintenant au L21-22 du Code général des collectivités. Il y a peu, et c'est assez classique, mais vous avez peut-être des questions. Qui souhaite poser une question? Madame Joyen. Merci, monsieur le maire. Sur la numéro 32, s'il vous plaît. Pardon? La numéro 32. La numéro 32, j'y viens, oui, ça y est. Décision Allez-y. Relative à l'acceptation du don par la Fondation du Centre hospitalier des courses d'un registre de l'Assemblée générale du 28 mars 1931. Portant constitution de l'association. Je suppose que c'est pour verser aux archives de la ville. Pourriez-vous nous dire comment ça se présente, puisque la Fondation du Centre hospitalier des courses est dissoute? Pas encore. Ah, pas encore dissoute? Non, elle n'est pas dissoute. Et pour rien vous cacher, je vous remercie de votre question. Je pourrais vous montrer, d'ailleurs, sans doute à une prochaine fois, cette Assemblée générale du 28 mars 31, qui est une calligraphie assez extraordinaire à la plume de sergent-major, et qui m'a été donnée, effectivement, en tant qu'ancien président de la Fondation des courses telles qu'elle existe, à la Nouvelle. Alors, ben, je vais vous donner quelques informations. Après au moins 15 mois de travail acharné et avec des entretiens et des échanges très importants avec le ministère de l'Intérieur, le bureau des associations et des fondations, donc la fondation se transforme et poursuit, puisqu'elle a un capital, elle poursuit donc des activités en faveur et des aides sociales en faveur, elle va poursuivre du moins, en faveur du monde des professionnels des courses, voire d'un certain nombre de jockeys, etc., qui sont dans le besoin. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc, il y a quelques jours seulement, après des procédures extrêmement lourdes et compliquées, nous avons arrêté les nouveaux statuts, et je vais les envoyer dans quelques jours, notamment au ministère de l'Intérieur, au bureau des fondations, pour qu'ils le transmettent au Conseil d'État pour obtenir l'adoubement des nouveaux statuts de la fondation. Voilà où nous en sommes, et c'est donc une fondation qui va perdurer, avec, bien sûr, elle n'a plus l'objet de l'hôpital, puisque c'était, et c'était ça le problème qu'il fallait modifier ou réformer, et c'est bien parti. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous restez président? Pardon? Alors, c'est plus compliqué que ça. Je suis toujours le président, effectivement, de la Fondation. Et dans les nouveaux statuts, c'est là où il y avait des membres de droit et le Conseil d'État, depuis quelque temps, a banni les membres de droit des fondations. Et donc, il y a les membres institutionnels, dont le maire de Maisons-Laffitte sera toujours, je dirais, un membre institutionnel, le président de France Gallo, plus deux autres présidents. Puis ensuite, il y a des membres des professionnels, et donc, pour l'instant, j'acte toujours en tant que président, gratis pro deo, bien sûr, pour justement rétablir des statuts nouveaux qui vont poursuivre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des modifications de statuts, il y en a déjà eu 4 ou 5 dans le passé, l'objectif étant que la Fondation soit reconnue d'utilité publique. Voilà. Et donc, ça a été, je dirais, une course assez longue, parce que même pour obtenir, j'ai été très longuement reçu avec Serge Gollert, qui est vice-président et mon directeur de cabinet à la fondation, au bureau des fondations au ministère, et on y a passé 4-5 heures à passer tout ça au crible. La différence, c'est que normalement,
pour avoir dans le passé, dans une vie professionnelle antérieure, déjà modifié des fondations, c'était entièrement jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'on établissait des choses, on était assez libre, et on avait l'adoubement d'un décret en Conseil d'État par le gouvernement. Cette fois-ci, depuis 2 ans, le Conseil d'État a sorti ce que j'appelle un guide d'âne, qui existe un peu partout dans un certain nombre d'organisations internationales, et imposé, je dirais, tout un tas de clauses qui nous ont pas choqués, mais qu'il a fallu respecter les unes derrière les autres. C'est ce que nous avons fait, et maintenant les choses avancent calmement, et je dirais, vont aller à terme, à la condition toutefois, bien évidemment, qu'on ait l'adoubement du Conseil d'État. Et c'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur ces nombreuses... Oui, monsieur Liégeois. Oui, le numéro 38, décision relative à la convention de mise à disposition d'un espace public pour la mise en place d'une vente de restauration rapide au forum des entreprises. J'avais une question, c'est bien de faire participer les commerçants locaux de Maison Lafitte, aucun problème. C'était juste à savoir quels sont les critères de sélection de ces commerçants. Pardon, j'ai pas entendu. Ce que Quels sont les critères de sélection un peu pour pour les commerçants qui participent? Est-ce qu'il y a un roulement qui est prévu? Le forum des entreprises, oh ben c'est assez simple. Ça a été, on a lancé effectivement un faire savoir en disant qu'on organisait un forum des entreprises et notre ami, tu es là? Tu vas expliquer. Et donc, on a eu un succès certain. Et c'est très important parce que ça permet à des entreprises de se faire connaître des Mancuniens et de se connaître aussi entre elles. Et c'est loin d'être négligeable. Charles-Philippe. C'était pas la question. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, on avait communiqué dans Vivre à Maison Lafitte en disant qu'il allait avoir la deuxième édition, ce qui a déjà généré quelques demandes de pré-réservation, et puis après, à partir du moment où il y a une communication qui a été faite auprès de plusieurs centaines d'entreprises, finalement, parce qu'on, avec le développement économique, il y a un fichier qui est extrait, où on enlève tout ce qui va être marchand de biens, sociétés qui n'ont absolument rien à faire, dentistes, j'en passais des meilleurs, et derrière, ça nous a généré effectivement beaucoup de demandes d'inscription avec une liste d'attente qui s'est mécaniquement nourrie. Alors en fait, c'était pas la question, la question c'était les commerçants qui participent au food truck. Comment ils sont sélectionnés? C'est très bien de prendre en local, c'est très bien. Et est-ce qu'il y a un roulement? Est-ce que voilà, quels sont les critères de sélection de ces commerçants? Voilà, c'était juste. Alors, ça. Quand vous dites les commerçants, vous pensez simplement donc à la pâtisserie Durand qui était là? D'accord, ok. Je peux. Donc, alors, ok, parce que comme c'était le pluriel, je pense qu'il nous a tous. C'était ma réponse, c'est ça le. Non. Non, je pense que comme c'est les commerçants qui nous a un petit peu interpellés, mais donc le commerçant, parce qu'on n'avait qu'un seul finalement. D'accord. Donc effectivement, ça c'est quelqu'un qui a été choisi, entre autres, compte tenu de la compétitivité du devis qui a été fourni. Après, effectivement, pour un roulement, ça, il n'y a pas de difficulté particulière. À titre personnel, j'avais approché d'autres commerçants qui n'avaient pas forcément donné suite, voilà, parce que la logistique, le fait de prendre une journée pleine, parce que c'est quand même aussi ça que ça veut dire, ne les avait pas particulièrement intéressés. Bon. Mais il n'y a pas de fermeture particulière. Charles-Philippe. Voilà, parce qu'il y a d'autres questions. Qui veut poser une question? Monsieur Dreul. Oui, sur la numéro 29. Et plus particulièrement sur la couverture de l'école élémentaire Mansart. Je voulais savoir s'il y avait eu à cette occasion un audit thermique, parce qu'il y avait peut-être d'autres rénovations. Ou est-ce comment ça s'est passé, cette rénovation? Alors, ce n'est pas une rénovation encore, c'est le lancement, justement, de la paix. Vous verrez au conseil municipal qu'il y a une délibération à ce titre. Et la bonne nouvelle... Si, il parle de Mansart. Oui, sur l'école. L'école, oui, sur l'école. Attendez un instant. Les bonnes nouvelles que le gouvernement vient de nous faire connaître par rapport à ce que je peux déjà vous annoncer par rapport au budget, c'est que le décret, malgré un avis négatif des élus locaux et de la MIF d'Ukraine, a pris le 8 avril, donc c'est tout frais, la nécessité de faire un audit et de faire des travaux d'isolation sur l'ensemble des équipements municipaux. Et donc là, il y en a pour une belle facture, je peux vous dire. Donc ça rue un peu dans les brancards. Donc ça va être fait en même temps. Donc c'est une affaire qui va durer un temps certain. Ok, merci. Bien, si vous en avez
et terminé, que vous êtes épuisé. Ah, madame, il faut vous lever la main, sinon je ne vais pas vous voir. Je vous écoute. Ce n'était pas spécialement une question, parce que je pense que j'ai déjà la réponse. Pour toutes les délibérations dans lesquelles on fait état d'une décision relative à une demande de permis de démolir ou des déclarations préalables, j'imagine que la décision est favorable, mais on n'arrive pas à la lecture de ce qui est inscrit, c'est-à-dire la 27, la 28, la 29, la 30 et même une autre après en 37, à déterminer de nous-mêmes le sens de la décision qui a été prise par la municipalité. Je pense que c'est une non-opposition pour la DP. C'est le dépôt de la décision dont je vous rends compte. Ensuite, d'accord. C'est pas la décision prise. Les dépôts d'autorisation, etc. Donc ensuite, bien évidemment, je vous rassure, il a été répondu favorablement par le service de l'urbanisme et il s'agit de quelques petites, je dirais, démolitions qui ne changent pas le caractère de la ville. Bien. Il n'y a pas d'autres questions. Je passe donc maintenant au point 3, information du maire. Et comme j'en ai donc l'obligation, vous avez vu que le L21-23-24-1-1 du Code, on vous présente donc, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questions, mais je prends donc acte que ça a été déposé. Excusez-moi. Non, je suis désolé, il n'y a pas de débat. Non, mais c'était pas un débat, c'était une question. Non, il n'y a pas de question relative à ça non plus. Parce que j'avais posé une question il y a... Je suis désolé, il y a deux monsieur. Ans, j'avais posé une question et on ne m'avait pas répondu. J'aimerais connaître juste un point sur les indemnités des élus. Non. Je suis tout à fait désolé. L'an passé, on dépose ça. Il n'y a pas de question. Mais... C'est un dépôt. Vous avez vu. Si vous avez des questions, vous viendrez me le dire après. Mais non, mais rien. Je pense que la représentation merci, municipale peut quand même. Merci, monsieur Liégeois. Pourquoi il n'y a pas de question sur ce point-là? Elle s'applique à vous comme à moi. Non, mais... Alors, les élus municipaux ont le droit d'être informés. On a besoin de précisions sur ce sujet-là. Vous êtes informés, mais c'est pas suffisant. Non, mais... Attendez, on se calme. Hein. Bon, on se calme. Je vous informe. Je vous ai envoyé ces documents. Vous avez toutes les indemnités perçues par les élus. Point barre. Non, mais moi, je voulais je juste savoir... Je suis désolé, monsieur Liégeois. Merci. Monsieur Necky, maintenant, vous allez nous parler de la jurée de la sécurité. Mais non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Je ne réponds pas à ces questions. Parce que la loi me l'interdit. C'est pour savoir le fonctionnement d'un syndicat. On parle d'un syndicat, le CILS. On parle d'un syndicat CILS avec la présidente, Madame Boiron, une indemnité. Et c'était pour savoir ce que faisait ce syndicat. Parce que ce syndicat, il a été créé il y a 60 ans. Maintenant, écoutez, les compétences lycées sont dehors de la région. Non, donc, que fait ce syndicat et que fait Madame Boiron? Écoutez, voilà, c'est une question. Écoutez, non. Je suis désolé. C'est une question. Je ne vais pas rentrer là. La loi nous oblige à déposer les indemnités des élus, y compris un instant. Je ne mets pas en cause, je pose une question, qu'est-ce que fait ce syndicat par ailleurs. Vous pouvez nous le dire, Madame Boiron, c'est aussi simple que cela, et on ne va pas ouvrir un débat sur le syndicat des lycées, qui est une autre affaire. La prochaine fois, vous posez votre question et on vous y répondra. Vous m'avez dit la dernière fois que ce syndicat serait dissous. Eh oui, bah, ça prend du temps. Voilà. Ah, bah oui, mais alors, il distribue des indemnités et le CIVOM donne aussi des subventions non. au CILS. Il donne plus de l'ordre de 100 000 euros au CILS. Donc, il faut quand même que les mentionniens sachent que leur argent est, où va leur argent, quand même. Bon, alors écoutez, on va quand même bien se mettre d'accord sur les procédures. Ici, nous sommes dans une information qui est donnée à l'ensemble et qui comprend l'ensemble des indemnités des élus, y compris ce qui est perçu par une élue qui est présidente d'un syndicat. Dont acte. Si vous avez des questions sur ce syndicat, vous les poserez une autre fois et on vous répondra, mais je ne réponds pas à ces questions à ce propos. Je peux simplement vous dire que le CILS continue, qu'il y a pas mal de difficultés avec un certain nombre des villes dans lesquelles elles sont, mais que nous allons y arriver à fermer ce syndicat. Voilà. Juste savoir ce que faisait le CILS, qu'est-ce qu'il a fait en 2022, concrètement. C'est tout, c'est quand même... Bon, écoutez, je vous ai répondu... C'est présenté au CIVOM. Non, c'est au CIVOM. Le CIVOM subventionne le CILS. Bon, écoutez, monsieur... Le fonctionnement du CILS, le compte-rendu... Bien... Juste une chose, le compte-rendu de ce que fait le CILS en 2022 a été donné au rapport d'activité a été donné au CIVOM.
puisque le nous ne sommes pas. Pouvez-vous faire un résumé? Nous ne sommes une phrase. Ben, pas ici. Je ne vais pas parler du CIVOM ici. Le CIVOM. Pas du CILS. Non, mais attendez, on va arrêter parce que je suis désolé. Vous êtes représenté au CIVOM. Vous n'avez qu'à demander à la personne qui vous représente au CIVOM le contrôle. Vous êtes présidente du CIL, vous touchez une indemnité, 415 euros. Voilà, vous pouvez dire vous, ce vous qui pouvez, est fait. Vous pouvez, monsieur Liégeois, maintenant vous cessez de parler à ce propos parce que vous violez la loi. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Maintenant, ça suffit. Voilà. Maintenant, on poursuit. Mais il y a un moment. Il faudrait quand même que vous... Moi, je respecte les procédures, respectez-les aussi. C'est aussi simple que ça. On vous a donné un document, n'en déplaise à M. Ginovelich qui est rigolard, il n'en demeure pas moins qu'on vous a donné ce document, il n'y a pas de débat à ce propos. Si vous avez des questions particulières, vous les poserez et on vous donnera toutes les informations, mais pas à ce stade. La représentation municipale est Monsieur Liégeois, prenez le temps de vous taire. C'est l'argent des Mansoniens, donc c'est normal. Il y a des moments, vous avez peut-être, si vous comprenez pas, c'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Voilà. Alors maintenant, monsieur Necky, vous parlez, s'il vous plaît, vous voulez parler de la journée sécurité. Oui, quelques mots pour vous dire que nous avons le 13 mai, sur l'île de la Commune, une journée de la sécurité. Cette journée de la sécurité sera orientée sur la sécurité routière, avec la participation de la police municipale, de la police nationale, des sapeurs-pompiers et de diverses organisations et clubs qui participent à la sécurité sur la route, tant en ce qui concerne les cavaliers, les cyclistes, les automobilistes. Alors, il est important de retenir que ce seront surtout des activités très actives avec des jeux, des simulateurs, un service de communication qui répondra aux questions, avec aussi des thèmes très précis, notamment l'alcool au volant, les stupéfiants, les règles essentielles du code de la route. On commence vers les 11h avec démonstration de pompiers jusqu'à 16h, 16h30. Donc j'invite tous les élus à venir le 13 mai à l'île de la Commune. Merci. Alors j'en viens maintenant aux questions. La première question a été envoyée par Madame Théron-Kéraudrin. Vous avez la parole, Madame. Oui. La prochaine fois, je vous fais une petite remarque, mais on a bien compris ce que vous voulez dire, mais faites plus court, c'est pas la peine. Je veux dire, là, vous en avez mis presque un A5. Oui, alors cette question s'adressait plus précisément à Madame de Balanda, donc j'espère qu'elle a pu préparer quelque chose en son absence. La question porte sur le centre hippique de Maisons-Laffitte, autrement appelé le CHML, qui est une ancienne écurie de chevaux de course située au fond du parc, avenue Lequin. La ville est propriétaire de l'ensemble du foncier, c'est-à-dire sur une parcelle de 7591 m², des bureaux administratifs, un clubhouse, des vestiaires, des selleries, 55 boxes, des greniers à foin, des locaux d'habitation, des hébergements pour le personnel, un manège et une carrière. Manège qui a d'ailleurs fait l'objet de travaux importants de plus de 800 000 euros, tel qu'indiqué en conseil municipal le 12 décembre dernier. Et malgré ces efforts répétés, la municipalité ne parvient pas à trouver de délégataire souhaitant exploiter le CHML. Cette situation exceptionnelle s'expliquerait par la crise actuellement rencontrée par toute l'activité équestre depuis le Covid. Aussi se pose la question du maintien de cette activité de surcroît concurrentielle, alors que d'autres centres équestres privés de la ville connaissent également des difficultés. Avec cet exemple du CHML, la municipalité se place aux limites de l'intérêt public qui lui permet d'œuvrer dans le domaine économique. Ne devrait-on pas se retirer et réorienter l'activité plutôt que persévérer dans une voie déficitaire, venant de surcroît alourdir les difficultés des autres centres équestres de la ville ? Madame de Balanda nous a annoncé lors du dernier conseil municipal la tenue sous huitaine d'une réunion avec l'ensemble des responsables des centres équestres. Qu'en est-il ressorti et quelle sera la stratégie de la ville dans ce dossier ? Merci. Alors, je vais vous dire très franchement, je trouve que votre question... Vous connaissez parfaitement la réponse. Nous n'avons pas trouvé à deux reprises la reprise pour une DSP. Mais cet objectif n'est pas abandonné. D'ici là, effectivement, nous allons ouvrir un appel à concurrence pour avoir une gestion sous contrat.
ce sera fait et je m'en tiendrai à ça. Maintenant, je tiens à dire qu'il est hors de question de s'engager pour beaucoup d'années. L'idée que nous avons, c'est d'avoir un engagement pour un an, renouvelable une fois, et surtout dans le même temps, de rechercher effectivement un concessionnaire qui accepterait une DSP. Je pense que si la situation économique se redresse, nous trouverons une personne, un établissement, une société qui le reprendra pour la DSP. Nous ne sommes pas à la limite de l'intérêt public, nous gérons effectivement cet espace dans l'intérêt public avec un appel à candidature pour justement le gérer pour l'année qui vient et éventuellement une nouvelle année avec la ferme intention d'avoir une DSP à terme. Voilà. Et merci, pour la je réunion, vous ai répondu, madame. Et merci. Pour la réunion avec les centres équestres, est-ce Pardon que pour la réunion qui s'est tenue avec les centres équestres. Ce qui s'est tenu avec le centre équestre, c'est surtout avec l'actuel titulaire, de manière qu'on lui dise très clairement qu'on relance. Actuellement, les centres équestres, et il y a même la faillite de l'UMT, notamment où j'ai écrit à Jean Castex, parce qu'effectivement, il y a des difficultés, et notamment l'US Métro ne reçoit plus de subventions. Donc, il y a une situation qui est difficile pour tous les centres équestres et qui nous, effectivement, que nous prenons en compte. Voilà ce que je peux vous dire. Madame Lavagne, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, de plus en plus de jeunes mansoniens participent à un séjour de cohésion du service du SNU, 32 en 2022, 41 en 2023. Pour prolonger cet engagement de 12 jours, les jeunes peuvent s'investir dans une mission d'intérêt général et signer un contrat d'engagement de 84 heures dans des institutions publiques. Plusieurs communes des Yvelines proposent déjà des contrats d'engagement. Maison Lafitte va-t-elle faire de même pour encourager les jeunes à s'engager au service d'une mission d'intérêt général et leur permet de découvrir le fonctionnement d'institutions publiques. Alors, sur ce point d'instruction publique, nous n'avons pas attendu le gouvernement et le SNU, qui au passage, bon, c'est peut-être quelque chose qui va intéresser un certain nombre de nos jeunes concitoyens, mais pour être un ersatz du service national, j'ai quand même quelques doutes. Et je pense que de toute façon, tôt ou tard, le service national qui a été suspendu sera rétabli en tout ou partie. En ce qui concerne effectivement, je dirais, le fonctionnement d'institutions publiques, nous n'avons pas attendu et à chaque fois qu'on nous demande un stage, si nous pouvons le parfaire, si nous pouvons l'exécuter, nous le faisons. Et à ce propos, Arthur Dehaene pourrait vous dire que nous faisons des efforts très importants, notamment à l'égard des jeunes collégiens, puisque le conseil municipal de nos deux villes est monté en puissance et monte en puissance. Mais en ce qui concerne, parce que là, je n'ai pas tout à fait saisi, je dirais, le sens de votre question, vous savez que de toute façon, le SNU est ouvert aux enfants de 15 à 17 ans et que, bien évidemment, on n'est pas capable d'accueillir, comme vous l'avez dit, les 32 ou les 41 jeunes mansoniens qui ont fait le SNU. Donc, c'est une affaire que nous suivrons. S'il y a une demande, nous l'examinerons, mais je ne veux pas en dire davantage à ce stade. Arthur, tu veux dire une chose ? Simplement vous dire que c'est une question d'efficacité, en fait. On ne va pas multiplier les dispositifs pour susciter l'engagement des jeunes. On en a un qui fonctionne très bien, qui est, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, le Conseil intercommunal des jeunes. Il y a quelques semaines, nous étions encore à la résidence des personnes âgées pour passer un moment, je dirais, de solidarité avec des personnes qui sont souvent isolées. Mais la question, c'est quelle est la visibilité qu'on donne à tout ça ? Là, c'est visible parce qu'on a un dispositif et les résultats sont là, puisqu'on est passé de 9 jeunes à 28. Donc on a triplé le nombre de jeunes qui participent à cela. Maintenant, comme l'a dit le maire, il n'y a pas de refus de principe de notre part vis-à-vis du SNU. C'est simplement qu'en termes de priorité politique, on met l'accent sur un dispositif visible, efficace, qui rend service et qui permet d'encourager l'engagement de notre jeunesse. Merci. Le mieux, c'est de donner plus de choix aux jeunes. Non, il y en a quand même 42 madame, qui se sont engagés au service national universel. L'idée, c'est pas d'accueillir 42 jeunes, bien sûr, c'est pas du tout ça le sujet, mais c'est de, éventuellement, s'il y avait plusieurs jeunes qui avaient envie, dans le cadre d'un contrat d'engagement, je vois que le dispositif, je vous invite
à le découvrir, hein, à mieux le connaître. Il y a des villes comme Villepreux. J'entends bien qu'il y a des villes, mais pour l'instant, on est à Maisons-Laffitte et je vous remercie. Alors, Monsieur Jivanidovitch, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, dans le millefeuille des collectivités, Maisons-Laffitte n'est pas seule. Elle peut s'appuyer sur des collectivités qui sont plus grandes pour subventionner ou aider au financement de grands projets. Ces projets peuvent être à la fois des infrastructures d'ordre culturel, sportif ou institutionnel. Et ces subventions portent sur les nouvelles mobilités, les transitions écologiques, les innovations numériques ou bien même l'hippodrome. De l'aveu même de la vice-présidente de région de Valérie Pécresse, entre 2011 et 2020, la commune n'a curieusement demandé aucune subvention à la région Île-de-France. Pouvez-vous nous lister les subventions régionales et départementales qui ont été obtenues cette fois-ci pendant l'actuelle mandature et nous dire la raison de cette absence de demande entre 2011 et 2020? Ça me fait plaisir, vous preniez les pieds dans le tapis, Monsieur Jivanidovitch. Monsieur Loliev va vous répondre. Merci pour votre question. Effectivement, chaque fois qu'elle le peut, la ville sollicite ses partenaires et tout particulièrement le département des Yvelines et la région Île-de-France. Je voudrais remercier les services municipaux qui, parce que c'est un travail fastidieux, mais néanmoins nécessaire et efficace. Sur le mandat 2020-2023, pour le conseil départemental des Yvelines, c'est un total de 2 623 803 euros qui ont d'ores et déjà été obtenus. Nous avons la statue Napoléon, la voirie de la rue du Fossé et Mansart, enfin un certain nombre de voiries, la couverture des 4 terrains de tennis et évidemment le pôle culturel Malesherbes. Pour la région, elle a également été sollicitée. Sur la même période, c'est 2 171 000 euros d'obtenus pour la couverture de 4 terrains de tennis, l'espace culturel, la salle de danse, l'extension de vidéoprotection, terrain de foot synthétique, le plan vélo. Vous voyez, les dossiers sont quand même nombreux et les services n'hésitent pas à solliciter les subventions du département et de la région. Cette démarche n'est évidemment pas nouvelle. Sur le mandat précédent, c'est 2 054 802 euros qui ont été obtenus du conseil départemental des Yvelines pour des réfections de voirie, le centre aquatique, 1 200 000 euros, des tableaux numériques dans les écoles, l'acquisition d'instruments de musique, le centre de loisirs Clos-Lainé, ou encore des travaux de rénovation pour les écoles. Et sur la même période, et je pense que vous avez visiblement de mauvaises informations, Monsieur Jivanidovitch, le Conseil régional a versé une subvention d'1 600 000 euros pour le centre aquatique et une subvention également pour le cinéma La Talente. De manière plus générale, la région et le département ne sont pas les seuls collectivité à être sollicitée, puisque nous sollicitons également d'autres partenaires, l'Agence de l'eau, la CAF des Yvelines, le CIGEF, l'État bien sûr, et y compris un fonds éperon pour les carrières Molières. Voilà ce que nous pouvions en dire, et donc effectivement, je pense que vous avez une source d'information à revoir, Monsieur Jivanidovitch. Bien sûr, alors il s'agit de subventions d'investissement, donc ça n'a rien à voir. Et entre de 2011 à 2020, je pense que la source est assez proche de la région pour savoir de quoi elle parle. Oui, ben la preuve, vous avez pris les pieds dans le tapis parce que dès 2014, on a reçu de la région et de ce côté-là, vous ne devriez pas fonder vos informations sur les rumeurs des campagnes électorales. C'est de l'investissement, ça n'a rien à voir. Merci, Monsieur Jivanidovitch. Merci. Alors, maintenant, Monsieur Drolle, posez votre question. Monsieur le maire, il y a quelques semaines, la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine, à laquelle Maisons-Laffitte appartient, a rendu public un document fort intéressant. Il s'agit du plan climat-air-énergie territorial, PCAET, qui est une feuille de route pour la transition écologique de notre territoire. Comme l'indique Pierre Font, président de cette communauté d'agglo et maire de Sartrouville, en introduction, cela suppose de transformer profondément la façon dont on conçoit et on gère une ville. Pour atteindre l'objectif annoncé dans ce document de moins 79% d'émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2050, de nombreuses actions sont proposées, dont certaines déjà évoquées ici, comme renforcer l'offre de bus et de navettes électriques, déployer les plans vélos, déployer une flotte de vélos électriques, déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques, adapter l'éclairage public en remplaçant tous les éclairages avec du LED, lutter contre les îlots de chaleur urbains, accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. Sur tous ces sujets et bien d'autres, comment Maison Lafitte compte-t-elle s'impliquer? Quels projets d'ampleur seront mis en œuvre dans les 3 ans à venir afin d'atteindre cet objectif ambitieux? Alors, on va vous répondre. Juste in fine, afin d'atteindre cet objectif ambitieux, vous-même vous en doutez, parce que c'est même par certains côtés un peu illusoire, parce que pour en avoir parlé avec un bureau des maires, mais cela étant, il y a des choses que nous allons faire. Monsieur Alors, actuellement, le patrimoine en éclairage public, c'est 10% de l'aide. On investit au fur et à mesure chaque année sur le remplacement de luminaires par des sources LED. Et actuellement, on a un appel d'offres en cours sur le renouvellement de l'entreprise pour l'éclairage public. Et on a demandé à chacun des participants de nous faire des propositions en amélioration des consommations. On a fait également une étude pour remplacer l'ensemble de notre éclairage public, qui représente à peu près 3000 points lumineux. Ça a été chiffré entre 3 et 4 millions d'euros qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. En ce qui concerne les îlots de chaleur, on a un exemple qui va être mis en œuvre cet été, puisque la cour de Clos-Lainé, de l'école Clos-Lainé, va être refaite avec de la végétalisation, et on demandera également une subvention pour ce type de construction. Pour la suite, je laisse Sandrine. Oui, alors, me concernant, 3 sujets. Le plan vélo, donc, comme vous le savez, nous en sommes à la 3e année du déploiement du plan vélo, qui aura comme point d'orgue cette année, certes, quelques ajustements encore au niveau des vélos rues, mais surtout la refonte complète de la piste cyclable rue Jean Mermoz. D'ailleurs, sur proposition, c'est l'idée du collectif vélo, c'est l'idée du collectif vélo qui a été retenue. Autre gros sujet, la mise en place d'abris vélo sécurisés au niveau de la gare. Et enfin, sujet tout aussi important, l'aménagement à l'entrée du parc en relation avec le département, puisque nous sommes sur une départementale. Concernant les vélos électriques, alors il est vrai que ça n'est pas forcément bien connu, mais sachez qu'il existe déjà une offre de retrait de vélos électriques avec la Poste, une offre Véligo. Il suffit de regarder sur Internet et cette offre de vélos électriques existe déjà sur Maison Lafitte. Et enfin, concernant les bornes de recharge électrique, donc c'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises lors des conseils municipaux. Nous poursuivons le déploiement de ces bornes. À ce jour, nous discutons avec le CIGEIF pour la mise en place d'une borne recharge rapide qui n'est pas encore déployée au niveau de la ville, mais nous attendons encore un retour d'expérience sur l'utilisation des bornes d'ores et déjà installées. Et alors, dernière nouvelle, puisque vous avez terminé par accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics, en effet, l'addition va être lourde. Le diagnostic effectué par les services, qui m'est parvenu il y a quelques heures ou il y a quelques jours, il y en a pour un minimum de 11 millions d'euros. Voilà. Et donc, quand certains vont critiquer les provisions qui sont absolument incroyables, devrait savoir tout ce qui nous attend dans l'avenir. Et donc ça, on va voir. Alors c'est sur ce décret qui vient de tomber, là, du 8 avril, et qui a provoqué l'ire des élus locaux et de l'Association des maires français. Voilà. Donc là, il y a une belle... Il faut certainement le faire, parce que effectivement, il faut que nos bâtiments ne soient pas des passoires. Mais ça, c'est un chantier qui va durer quelques années.
Ça s'appelle l'investissement, monsieur Mia. C'est comme les LED. Vous n'allez pas m'apprendre, monsieur Drôle, ce que c'est que l'investissement. Merci. On vous a répondu. Monsieur Liégeois, allez-y. Non, mais quand même, ça s'appelle l'investissement. Sans blague. Ben oui. Oui, c'est ça va. C'est comme les LED. On l'aurait fait allez, il y a trois ans. Allez, gardez vos commentaires. On aurait économisé au moment où les prix de l'énergie ont augmenté. Merci. On fait beaucoup de communes. Oui, beaucoup de communes. Elles gueulent toutes en ce moment, les communes. Monsieur Liégeois. Cette fois-ci, vous avez la parole et posez votre question. Attendez, mais on ne relancez pas là-dessus, hein, parce que. Ben allez-y, sinon, posez votre question. On n'a pas répondu aux questions. Bon, alors, monsieur le maire, il existe un certain nombre d'installations sportives dans notre ville et on pourrait croire que tous les sports sont représentés. Ce n'est pas le cas. Je prends un exemple. Il n'y a pas de mur d'escalade à Maison Lafitte. C'est un sport qui se pratique de plus en plus et qui développe beaucoup de facultés chez l'enfant. À quand un mur d'escalade à Maison Lafitte? Des projets semblent se concrétiser autour de l'hippodrome. Pourquoi ne pas utiliser la hauteur du bâtiment intégrant les tribunes? Qu'en pensez-vous? Alors, avant de passer la parole à Charles-Philippe Bourg, je voudrais quand même vous dire une chose. Vous avez posé cette question, tous les sports ne sont pas représentés à Maison Lafitte. Oui, il y en a qui ne seront jamais représentés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi, je dirais, que nos concitoyens comprennent qu'on peut pas tout faire. Nous avons des équipements sportifs qui sont de première classe et qui placent la ville de Maison Lafitte en tête, parce que c'est une longue expérience. Ça a été commencé par mon prédécesseur et poursuivi par nous-mêmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un moment, c'est pas parce que certains disent il manque ci, il manque ça, il y a un moment, il faut savoir dire non. Charles-Philippe. Alors justement, les 5 sites sportifs municipaux permettent à 89 associations sportives de pratiquer régulièrement leur discipline sur notre territoire. Les investissements faits permettent d'aménager de nouveaux créneaux ou d'envisager la pratique de nouvelles activités. C'est le cas de l'escalade, pour laquelle des travaux de rénovation vont être effectués au POPD pourraient permettre la création d'un mur d'escalade de 9 mètres de haut et de 24 mètres de large. Cette installation pourrait être livrée au terme des travaux lancés au PEPD, soit 2025-2026. Les études vont commencer d'ailleurs cette année. Les murs extérieurs de l'hippodrome pourraient accueillir une pratique de ce type. Néanmoins, il s'agira d'une pratique non scolaire et en fonction des conditions météorologiques. Donc cela resterait à étudier, surtout s'il y a déjà un équipement qui permette la pratique. Il est à noter que l'escalade fait partie des sports dits à risque et que l'encadrement et la surveillance du site sont indispensables. Non, mais très bien. Madame Géhin, posez votre question, s'il vous plaît. Bravo. Merci, remerciez-nous, mon cher Philippe. Bravo, j'ai entendu. C'est bon, vous êtes pardonné sur le premier errement. Madame Géhin, posez votre question. Monsieur le maire, ma question porte sur les mobilités piétonnières et la sécurité des piétons. Les espaces partagés sont très peu nombreux dans notre ville, mais néanmoins, ils existent. Quelques promenades aménagées sont très agréables et fréquentées, et le parc accueille très souvent les marcheurs mansoniens. Plusieurs points mériteraient votre attention. Un manque de visibilité des panneaux qui donnent les règles, et notamment la priorité aux piétons en espaces partagés. Des passages piétons mal entretenus, donc peu visibles des automobilistes. Une absence de ralentisseur quand le cheminement des piétons croise celui des voitures. Enfin, la limitation de vitesse à 30 km dans le parc que vous continuez de refuser est une demande récurrente des mansoniens. Une réflexion générale ne serait-elle pas nécessaire, autant sur les points techniques que sur les circuits de déplacement piétonniers? Je vais d'abord répondre sur un premier point, et ensuite Gilles en équipe. Oui, sur les passages piétons mal entretenus. Ça, je pense que les collaborateurs des services techniques ont été assez choqués par vos propos, parce que tout régulièrement, on effectue des campagnes de marquage. Demain matin, avenue Aiglé, à l'intersection avec l'avenue Marivaux, on refait le passage piéton. Pourquoi? Parce que on a changé la canalisation d'eau potable sur l'avenue Aiglé et que ces marquages ont été effacés. Donc, on les refait demain. On a refait des marquages avenue de Saint-Germain en vélo-rue en mettant d'énormes pictogrammes avec vélo, voiture. Je pense pas qu'un panneau
posé à l'entrée aurait été plus parlant. On a également refait des pictogrammes supplémentaires vélorue sur la rue Pouline-Crochère. Donc l'entretien des marquages au sol, on le fait en permanence. Je laisse Gino répondre. Oui, alors en ce qui concerne la sécurité routière, c'est vraiment une de nos priorités. Quelques points. Premièrement, je vous le dis tout net, je ne suis pas favorable à la multiplication des panneaux. Nous avons des études qui ont été faites dans le parc et qui montrent que les véhicules à 90% ne commettent pas d'excès. Par conséquent, c'est un problème qui doit se situer au niveau de la répression des infractions routières et non pas multiplier sans arrêt des contraintes. Un ancien directeur de la sécurité civile me disait, plus on augmente les panneaux, et plus les gens, moins les gens regardent la route, mais regardent sur les côtés. Ce n'est absolument pas une bonne politique. Deuxièmement, des initiatives ont été prises. Je ne vais pas remonter dans le temps, mais pour prendre les trois derniers mois, premièrement, nous avons fait des opérations coup de poing 4 dans le but de sécuriser justement les piétons. Et 37 infractions ont été relevées. Nous avons fait 87 points fixes et 27 infractions ont été relevées. Deuxièmement, nous allons faire une journée, vous l'avez entendu, sécurité routière dédiée à cette matière. Et troisièmement, la police municipale organise des réunions, notamment la prochaine, le 19 avril, pour sensibiliser justement sur ce sujet. Par conséquent, globalement, nous partons des réalités, des constats, et ensuite, bien évidemment, nous entrons dans la répression en cas de besoin. Je voudrais juste faire une remarque, madame, parce que il faut connaître le code de la route. Hein. Quand vous dites une absence de ralentisseur quand le cheminement des piétons croise celui des voitures, je vous rappelle que lorsque vous voyez un piéton, vous devez stopper s'il est sur la chaussée. C'est aussi simple que ça. Et la raison, on a déjà eu ce débat déjà depuis longtemps dans la zone partagée du parc, où le parc a refusé effectivement un certain nombre de marquages au sol, a refusé également, c'est une zone partagée. Mais je vous invite, lorsque vous voyez un piéton sur la chaussée et qu'il a traversé hors les clous, à arrêter, à ne pas le prendre comme garniture du capot. Hein, c'est moi qui vous dis, je vous le dis. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu étonné de ce que vous avez écrit là, parce qu'une absence des passages piétons mal entretenus, non, ça ne faut pas exagérer non plus. Merci. Alors, je vous remercie de vos réponses, hein, c'est très intéressant. En fait, bien sûr qu'on s'arrête au passage piéton, on est tous d'accord là-dessus. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, par exemple, à la Coulée Verte. Et quand les piétons, par exemple, veulent traverser l'entrée du camping, ils sont en bas par rapport à la route, et donc quand ils arrivent, les automobilistes ne les voient pas. Enfin, il y a des petits points comme ça, et je parlais pas vraiment de la sécurité routière sur les rues de la ville, je parlais principalement des promenades aménagées à cet effet. Et voilà, ma question portait sur cette sécurité-là. Je vous remercie, vous devez être maître. Et principalement sur une vision un peu plus globale des circuits pédestres dans cette ville. Non, s'il vous plaît. Alors, effectivement, les piétons, parfois, sur la Coulée Verte, sont sur, alors qu'il y a une piste pour piétons à côté, ils la prennent pas. Mais que voulez-vous, nous sommes un peuple de réfractaires. Bien. Alors, maintenant, Madame Tania Günther, allez-y. Merci. Monsieur le maire, en ville et dans le quartier pavillonnaire, votre PLU permet la réalisation d'importants projets promoteurs à ras des maisons et bâtiments avoisinants. Au fil des différents chantiers, de nombreux riverains ont pu constater d'importants dégâts structurels chez eux. Fissures profondes, toitures abîmées, affaissements d'immeubles. Pendant la construction de la nouvelle résidence senior avenue de Saint-Germain, plusieurs maisons de la rue Johnson ont dû soit refaire leur toiture, soit prévoir un ravalement de façade et dans tous les cas de figure, suivre de près des fissures inquiétantes au niveau de leur cave. Suite à ce même chantier, la maison derrière l'association des Jockeys, avenue de Saint-Germain, a dû être évacuée parce qu'elle risquait l'effondrement. Au 24 rue Masson, le bâtiment C s'est affaissé suite à la construction du parking de l'immeuble franco-suisse rue du Prieuré et de grosses fissures de la cave jusqu'au cinquième étage ont été constatées. Des fissures qui évoluent.
plus. Il s'agit ici de situations relevant du droit privé, mais la ville, qui est gardienne du PLU et interlocutrice des promoteurs, prévoit-elle un accompagnement des centaines de mancenniens affectés par cette promotion débridée pour les conseiller ou les guider dans leur démarche face à des acteurs trop peu soucieux de l'impact de leur projet? Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer une chose, madame. Quand on construit, il y a parfois des problèmes, et notre ami Serge Godert va vous répondre, mais je ne peux pas admettre que vous parliez de votre PLU. Je vous rappellerai avec une certaine fermeté que nous sommes sous contrainte pour construire, que je me suis battu comme un beau diable avec le préfet et la DTT pour obtenir un PLU qui soit minoré par rapport aux prétentions du porté à connaissance de l'État. Donc ça commence à bien faire d'accuser le PLU, et vous appartenez à une majorité municipale qui soutient les lois Duflo et Élan. Alors balayez devant votre porte, s'il vous plaît, Monsieur Godert. Oui, cher confesseur, je suis quand même, vous pouvez me donner crédit, bien évidemment que nous accompagnons l'ensemble du voisinage lorsqu'il y a une construction. Mais je me permets quand même de vous rappeler, et vous avez raison, c'est du droit privé. Alors le droit privé, il est ce qu'il est. Simplement, je rappelle que lorsqu'il y a une construction, quelle qu'elle soit, que ce soit un immeuble ou une maison ou n'importe quoi, il y a une procédure de relevé préventif qui est fait avec un huissier, etc. Et à chaque fois, il était réalisé par les promoteurs ou les constructeurs. La ville n'intervient dans ce pareil cas uniquement sur l'état des voiries, c'est tout. Et lorsqu'il y a une intégrité physique sur les bâtiments, là, et donc une procédure de péril, là nous intervenons également, mais c'est extrêmement rare, la seule qui a eu lieu, c'est sur la rue du Prieuré. Toutes les autres. Alors, par contre, comme vous venez de parler du ravalement, de la toiture, etc., pour le 45 avenue de Saint-Germain, écoutez, permettez-moi de vous informer, cette maison a été vendue. Elle avait fait un projet de rehaussement de la maison, le nouveau propriétaire, bien évidemment, hein. Donc, on lui a refusé parce qu'il ne pouvait pas à cet endroit-là. Et dans tous les cas, tous ces gens de la rue Johnson attenant à l'ancien pavillon Adèle, ont été largement, mais très largement, indemnisés pour quelques fissures. Madame Singer, s'il vous plaît. Possible. Oui, merci, monsieur le maire. Une question sur les conseils de quartier qui ont été créés pour encourager et favoriser la participation démocratique des habitants à la vie locale, les associer au projet de la municipalité et leur permettre de faire des propositions. Ce sont des espaces d'information, d'écoute, de débat et, important, d'élaboration de projets d'intérêt collectif concernant l'aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore l'amélioration du vivre ensemble. Il en existe 4, dont 3 existent depuis bientôt 2 ans. Je crois que le dernier est un peu plus récent. Alors, les mansoniens, évidemment, peuvent avoir accès à des comptes rendus, mais c'est peut-être un petit peu difficile de prendre connaissance de ces longs comptes rendus. Donc, pour les mansoniens qui nous regardent ce soir, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels sont les sujets que les membres des conseils de quartier jugent prioritaires et quelles sont les préoccupations récurrentes? Volontiers, madame. Et cela d'autant plus, je voudrais vous dire que sur le conseil de quartier du parc, la première réaction de l'ASP, et j'en ai la délibération, c'était de le refuser. Il faudrait quand même le savoir. Hein? Voilà. Parce qu'il dit, le conseil de quartier, c'est nous. Or, effectivement, on convie tout le monde, des propriétaires et des locataires. C'est aussi simple que ça. Donc, ça fonctionne. Monsieur Godert et ensuite Monsieur Arthur Dohan. Oui, bien sûr, cher consoeur, c'est un espace de concertation, d'information dans les deux sens. Et nous ne nous en gênons pas du tout. Alors, si vous voulez l'information complète et totale, je vous rappelle que tous les comptes rendus sont portés sur le site. Je sais. Hein? Je l'ai cité dans ma question. Merci, madame. Calmez-vous, madame Singer. Voilà. Donc, je suis tout à fait calme, mais essayez de répondre à ma question, s'il vous plaît. Vous avez entendu, laissez l'orateur parler. Ce serait gentil. Alors, qu'est-ce que l'on aborde? Faites pas la NUPES, là.
Vous extrapolez. C'est pas vrai. En toute amitié, hein. Donc, pour vous dire, bien évidemment, tous les thèmes, il n'y en a aucun d'exclu, et que ce soit le développement durable, que ce soit les alternances, les circulations, et pour votre information, nous avons une très prochainement une réunion spécifique sur la sécurité dans l'ensemble, notamment du parc et du petit parc, pour ce qui me concerne. Tout le reste, tout est abordable, tout est abordé, et tout fait l'objet de discussions et d'informations dans les deux sens. Oui, mais c'est pas ma question, monsieur Godert. Oui. Ma question, c'est quels sont les sujets que les membres des conseils de quartier jugent tous prioritaires. Les sujets, Mme Singer. Tous les sujets sont prioritaires, mais c'est non, bizarre quand même. Attendez un instant. Vous avez assisté, comme moi, à l'AG du parc, et vous avez constaté, comme moi, que ça vole de partout. C'est la sécurité, c'est la vitesse, c'est... Ça n'est pas un conseil de quartier, monsieur le maire. Mais il faut vous calmer et vous parler. Je suis désolé, on ne prend pas la parole de ça, sinon plus personne n'y comprend rien. Déjà que vous avez du mal à comprendre, hein, je le dis comme je le pense. Attention. Non, pas du tout. Attention. Oui, attention à rien du tout. Attention à rester correct avec votre proposition, monsieur le maire. Ayez l'amabilité de prendre le temps de vous taire. Merci. Et donc, ça part. Donc, tous les sujets sont abordés. C'est à chaque fois, on y répond, on apporte des remarques. C'est parfois ici une rue, c'est parfois un sens interdit, pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, il y a des problèmes, effectivement, comment on sécurise, etc. Il y a eu la sécurité à laquelle j'ai répondu l'autre soir, parce que effectivement, sur le plan de la sécurité, on a une croissance de l'insécurité dans toute la ville et toutes les Yvelines, et avec malheureusement des gamins de 14-15 ans qui sont parfois drogués et qui sont arrêtés par la police, relâchés immédiatement, et le lendemain, ça recommence. Hein? Donc, de ce côté-là, adressez-vous au gouvernement que vous soutenez. Bon, monsieur le maire, vous mélangez tout là. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que moi, je veux bien... Ce n'est pas la question... Je veux bien porter le chapeau, mais regardez vos responsabilités en face. On a un problème, madame, s'il vous plaît, on a un problème d'insécurité dans ce pays qui n'est pas le fait que Maison Lafitte soit un havre de paix à elle seule. Et donc là, on a un problème majeur, et donc il y a des bisbilles au sein du gouvernement, vous l'avez vu, entre le ministère de l'Intérieur et d'autres personnes qui veulent effectivement expulser un certain nombre de délinquants. Quand le commissaire de police me dit qu'on a arrêté un Tunisien qui a été expulsé et que 15 jours après, il le retrouve sur place, ça pose quand même un problème. Et donc, regardez la réalité en face et balayez devant d'autres portes. Arthur Dehaene, vous avez la parole. Arthur Dehaene, tu reviendras après, Serge. S'il y a des questions à poser à Serge, je laisserai bien sûr... Allez, vas-y. Non, mais pour aller à l'essentiel, c'est un outil de dialogue qui est très utile. Parce que d'abord, ça permet aux élus de se rendre compte de ce qui se passe dans le détail de la ville. Et ça renvoie à des thématiques qui ont été évoquées par Gino Necchi et par Serge tout à l'heure, c'est-à-dire, dans le fond, la question du respect des règles. On se rend compte que il y a des incivilités, on se rend compte que il y a des gravats qui ont été, par exemple, déposés très longtemps entre la rue du Fossé et l'avenue Jean Mermoz. On se rend compte qu'il y a des coffrets avec des branchements à gaz, donc quand même des choses risquées, qui sont arrachées comme ça. Et dans ce cas-là, ben, on joue notre rôle d'élu, c'est-à-dire qu'on prend notre bâton de pèlerin et on va sonner chez les gens, on va leur expliquer que les gravats, maintenant, ça suffit. On va refaire des coffrets si c'est nécessaire. Donc, on prend contact avec Engie. Bref, c'est d'abord un outil de proximité pour faire remonter les problèmes du quotidien et les choses qui n'ont pas lieu d'être dans une ville. La deuxième chose, et je dirais que c'est un thème transversal aux deux ensembles, c'est-à-dire le parc et le centre-ville, bon, c'est quand même la question de la circulation. Et dans le parc, ça pose la question de la cohabitation entre les vélos et les habitants et comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens respectent les règles de circulation. Gino Necchi a dit que d'après les mesures qu'on peut faire, une bonne proportion, 90% à peu près, des automobilistes respectent les limitations de vitesse. Donc ça fait partie des points de vigilance sur les 10% restants. Nul n'est parfait, mais c'est un point à avoir en tête. Et dans la ville, bon, on sait que
enfin dans la ville, dans le centre-ville plus spécifiquement, la question de savoir si on ne mettrait pas des radars dits pédagogiques, des limiteurs de vitesse pédagogiques, donc non pas pour réprimer, mais pour indiquer, par exemple l'avenue de Saint-Germain, cette question-là a été posée, et nous on est ouvert à toutes les questions, on examine, on étudie, et on le fait, je dirais, avec sérieux et avec le sens de la démocratie de proximité, c'est-à-dire écouter, répondre. Bon, écoutez, on va en rester là pour le sujet. Sachez que c'est moi qui ai voulu les conseils de quartier. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir, ça fonctionne. Et c'est vrai que, bon, parfois, c'est un peu lourd. C'est une technique à avoir, y compris pour les élus, d'ailleurs. Parce que, de temps en temps, il y en a qui poussent le bouchon un peu loin. Peu importe, peu importe. Se faire engueuler, je vais vous dire une chose, ce n'est pas grave. Mais il faut regarder quel est le problème qui a été posé. Quelle que soit parfois la véhémence des propos qu'on reçoit. Vous savez, je circule quand même un peu en ville, j'ai parfois, on m'apostrophe sur des choses, peu importe, il faut rester calme. Et puis, vous savez, ça leur permet, je racontais toujours cette histoire, quelqu'un qui est inventé, je vous le dis tout net, quelqu'un qui va dire, ah, j'ai vu le maire, il dit à sa femme, qu'est-ce que je lui ai mis qu'est-ce que je lui ai mis. Et donc, il est tout brave parce qu'il a posé sa question un peu avec véhémence. Et puis, quand il rentre chez lui, il raconte ça à sa femme. Et sa femme lui dit, d'accord, mais fais la vaisselle. Voilà. Donc, ça montre bien qu'effectivement, pouvoir toucher les élus, quelle qu'elle soit, toucher son maire, c'est quelque chose de très important. Et quand pour l'instant, il y a certains qui se plaignent d'agressions sur les maires. Bon, bah écoutez, peut-être que je serai agressé dans l'avenir, mais je ne crois pas. Et en tout état de cause, c'est pour moi un plaisir. Alors, on vient maintenant, si on était d'accord au budget, je vais demander à mon ami Philippe Bouvier le point 4, le point 5 et le point 6, où ce sont notamment des reprises antérieures, de les présenter globalement, parce que c'est de la comptabilité publique très classique. Oui, juste un tout petit point d'explication. L'an dernier, on avait fait le compte administratif en même temps que le budget primitif. Cette année, donc, ce n'est pas le cas. On reprend les années précédentes parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour le compte administratif qui vous seront présentés en juin. Et donc, ainsi qu'il est classique dans ce cas, on fait une reprise anticipée des résultats, comme nous en avions l'habitude. Donc, effectivement, on vous propose de faire un tir groupé avec les différents points. Donc, l'essentiel que je vais détailler un tout petit peu quand même, c'est pour le budget global, donc avec une reprise par anticipation du résultat de la section de fonctionnement de 10 291 000 euros, avec un résultat antérieur de 6 millions et résultat cumulé, donc avec le fonctionnement excédentaire de 4 291 000 et en investissement 30 233 000. Voilà. Au niveau du budget du Rhône-Sévigné, nous avons pareillement un résultat de section fonctionnement déficitaire de 110 000 euros, section d'investissement de 67 000 euros bénéficiaires. Pour les parcs de stationnement, un résultat de section fonctionnement déficitaire de 84 000 et d'investissement excédentaire de 46 000. Concernant ces trois points sur lesquels je vous demande un vote groupé, c'est purement technique, puisque comme vous le savez, il y a l'accord à la fois de l'ordonnateur et bien sûr du comptable public. Voilà. Pas d'objection, adopté. Alors maintenant, on va venir à un point majeur qui est notre budget. Philippe, tu as la parole. Oui, pardon. Donc, vous avez eu la présentation du ROB. Merci à Franck Lelièvre de m'avoir aussi remplacé dans cette présentation lors du dernier conseil municipal. Et donc, je ne vais pas tout reprendre dans le détail, puisque vous l'avez déjà eu très largement au sein du débat que vous avez eu, enfin, on dit maintenant du ROB. Et donc, on a déjà indiqué, donc, évidemment, nos marges qui diminuent du fait de l'autonomie fiscale qui devient de plus en plus faible, d'une croissance actuellement évidemment ralentie, et surtout d'une inflation dont on avait perdu l'habitude depuis maintenant pas mal d'années, et habitude que malheureusement on retrouve avec un grand déplaisir. Donc on poursuit aussi, pour ça on insistait dessus, notre plan d'investissement, puisqu'on a parfois des reproches sur des investissements qui ne seraient pas nombreux, donc avec une moyenne de près de 40 millions depuis 11 ans sur des périodes de 3-4 ans. Donc les exemples de projets autofinancés par la ville depuis 2014, je ne vais pas tous vous les redonner loin de là. Les principaux, c'est la construction du centre aquatique qui pour tous les mansoniens
est à l'évidence un succès et une réussite. Également, au niveau scolaire, la sécurisation des bâtiments scolaires par obligation, mais surtout l'agrandissement du centre de loisirs du Clos-Lainé. Aussi, en voirie, la mise en accessibilité de voirie, où il y a un très gros travail qui va bientôt se terminer à cet égard, ce qui est une bonne chose, bien sûr, d'avoir fait ça. La rénovation de Montesquieu, la nouvelle crèche des Coquelicots également, qui est très réussie, et les travaux de fibre optique pour la vidéoprotection, c'est cher, mais bon, ben, il faut bien ça. Et puis également, on réinsistait sur les subventions données en surcharge foncière de 2014 à 2022 de 5,7 millions, vous le savez, parce qu'on ne construit pas assez au gré du gouvernement. Nous sommes loin d'une construction débridée, puisque nous sommes punis pour cela. Et le gouvernement, donc, nous a fait verser 5,7 millions. Plutôt que de le verser, ben, on préfère le mettre dans les logements sociaux qui sont réalisés à Maison Lafitte. Et donc, ça tourne en boucle, en fait, et l'argent profite finalement à Maison Lafitte. Et ce n'est pas reversé dans un global. Voilà. Et nous aurons encore pour quelques années ce système que l'on garde et qui nous permet de bien gérer la commune à notre avis. Donc voilà, sinon on appuie évidemment notre soutien au CCAS, puisque compte tenu de la situation actuelle, il y a un petit peu plus de besoins et donc on a augmenté de 80 000 euros à cet égard pour 2023. Voilà, donc maintenant je rentre un peu plus dans le détail, sachant que nous avons cette année un petit point un peu amusant, c'est qu'on a un équilibre de budget à la fois en fonctionnement et investissement à chaque fois autour de 50 millions. Voilà, c'est relativement égal entre fonctionnement et investissement. Donc, la section de fonctionnement, pour commencer, comme d'habitude. Donc, on commence toujours par les dépenses, sachant que de toute façon, ça sera équilibré au bout, évidemment. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 7,60%, soit 2,9 millions. Voilà, donc évidemment, il y a essentiellement les fluides, comme vous le savez, avec une hausse de 2 millions d'euros. Alors, on sait aussi que le gouvernement, il faut aussi citer quand il y a quelque chose qui est un peu plus favorable, met en place un amortisseur électricité qui pourrait, au-delà d'un certain niveau, 180, enfin disons que je ne rentre pas dans le détail, mais avec un petit calcul technique en cours, on pourrait retrouver un petit peu d'argent donc par ce mécanisme que l'État met en place, parce que nous arrivons à Maison Lafitte à supporter ces hausses, même si c'est difficile, mais il y a beaucoup de communes qui ne les supportent pas et qui avaient un besoin évident de mécanismes pour leur faciliter cette appréhension. Au niveau des dépenses personnelles, donc 1,8 million plus 9,43. Donc là, c'est effectivement le reclassement des grilles des agents catégorie C et B, les revalorisations du SMIC, qui étaient de façon tout à fait nécessaire, et les créations de postes et également actées sur les précédents exercices. Voilà, sinon il y a des petits points techniques. Donc, sur ces éléments, on a ensuite, sur les éléments de charge à caractère général, un certain nombre de points que vous connaissez et qui expliquent des petits différentiels. La revalorisation du prix des repas, puisque bien évidemment, on l'a subi pleinement. Là, également, que ce soit en scolaire ou la petite enfance, bien sûr. Il y a des transferts de crédit aussi, mais c'est moins important. J'insiste plus sur des éléments extérieurs, si vous voulez. En l'occurrence, bien évidemment, comme je vous le disais, donc c'est sur les fluides que se situe le maximum de soucis, je dirais. Au niveau des peintures et travaux et menus travaux, on a pu engager des personnes donc sur des postes qui étaient ouverts, hein, mais non pourvus, donc ils le sont maintenant, et qui permettent de réaliser plus d'opérations en régie. Alors, pour que ça réalise en régie, il faut évidemment acheter un peu de fourniture pour qu'ils puissent le faire. Donc, il y a des petites augmentations assez logiques. Au niveau des dépenses de personnel, c'est ce que je vous disais, la revalorisation de points d'indice, également la revalorisation du SMIC et les grilles qui jouent, ainsi que, et là, c'est propre à Maison Lafitte, l'ouverture du point d'accès aux services publics pour améliorer l'appréhension des services publics pour les mansoniens, et qui est très utile. Au niveau d'une crèche de 18 berceaux, donc ouverts, 7 agents recrutés, bien sûr, c'est bien d'avoir les crèches, et évidemment, il faut des agents, hein, il faut respecter les règles, c'est normal. Renforcement de l'équipe de communication aussi, qui était déjà quand même sous l'eau compte tenu de tout ce qu'elle faisait, donc c'était la moindre des choses, et un recrutement de 6 agents à la police municipale. Voilà, et donc malgré les difficultés de recrutement sur certains secteurs et les contraintes financières, l'attrait de notre commune est bien réel, ce qui nous a permis quand même de pouvoir en pourvoir un nombre important. Voilà. Donc ensuite, vous parlez donc des subventions aux associations, qui restent stables par rapport à 2022, puisqu'il y en a une qui diminue, mais qui est prise en compte par le CIVOM. Donc, stabilité, sachant que c'est en fonction, évidemment, des projets proposés et de la situation financière des associations. Une association qui a beaucoup d'argent a beaucoup moins de logique à demander encore plus.
Au niveau de la subvention CCAS, donc, vous le savez, elle a augmenté. Elle a augmenté également, donc, bien sûr, à cause de la hausse des dépenses de fluide, mais aussi à cause du déficit structurel de la résidence personnes âgées. Au niveau de l'électricité, je vous l'ai déjà dit, c'est pareil que sur le reste des secteurs de la ville. Au niveau de la RPA, donc, on a un taux d'occupation qui est de 75% contre une prévision l'an dernier à 86%. Mais nous savons réagir quand les éléments et les vents sont contraires. Et donc, on ouvre maintenant aux jeunes travailleurs. Donc, en fait, cette RPA est en train de devenir une résidence intergénérationnelle, ce qui me semble dans l'air du temps et très bien, et bien vécu par les occupants. Et donc, ça nous permettra d'atteindre, a priori, une meilleure occupation donc dans les mois qui viennent. Les subventions aux écoles privées, on reste toujours sur le même calcul, comme vous le savez, avec le coût d'un élève dans le public, de prendre le même pour le privé, avec des contrats différents, puisque l'Ermitage n'a pas un contrat aussi global que Sainte-Marie. La participation de la ville au SDIS, qui est également assez classique. Le fonds de péréquation, vous le savez, le fameux FPIC, lui, reste stable au niveau de 2021. Il restera pareil pour 2023. Donc, il est réparti par la CHGBS. Pas d'évolution sur ce point. De même qu'il n'y a pas d'évolution non plus sur le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, qui est à 3 410 depuis 2014. Les charges financières, elles diminuent encore, puisqu'on a deux contrats de prêt qui sont terminés. Et donc, nous sommes vraiment au plus bas au niveau de nos emprunts. Au niveau des charges exceptionnelles, il y a quelques petits points, mais qui sont surtout la terminaison de la rue du Tir et des petites lignes qu'il y avait à cet égard. Donc, je vais passer aux recettes. Les recettes réelles de fonctionnement en hausse de 12,2%, donc de 5 millions d'euros. Or, d'abord, il y a les produits des services. Donc, il y a la mise à niveau tarifaire des activités votées par le conseil municipal, comme vous le savez, pour lutter sur les éléments d'inflation. La refonte du mode de calcul des tarifs de la restauration scolaire, on en a beaucoup parlé. La hausse des remboursements de frais, la hausse des refacturations de personnel de la ville à d'autres entités et la hausse prévisionnelle des droits et redevances de stationnement. Au niveau donc des prévisions pour la taxe foncière et taxe d'habitation, donc les taxes, c'est 22,7 millions à la suite de la notification des bases fiscales définitives par les services de l'État. Donc, nous aurons une hausse de 2 points du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour faire face à l'inflation qui sévit actuellement, comme vous le savez. Donc, au niveau de la taxe d'habitation, ça y est. Donc, maintenant, tout le monde est exonéré de la taxe d'habitation. Il n'y a plus que la taxe foncière propriété bâtie. Et comme vous le savez également, pour la suppression de la taxe d'habitation, il y a eu par l'État une mise en place d'un système, le fameux coefficient correcteur, le COCO, qui a été mis en place pour compenser. Bon, pour la première année d'application, c'est correct de la part de l'État. Par contre, il y a toujours des doutes, puisqu'on l'a vécu déjà pour la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Et si là aussi, la première année, tout allait bien, les années suivantes, ça a été, disons, une trop grande tentation pour l'État que de venir la diminuer. Donc, on craint beaucoup, sur le coefficient correcteur aussi, une telle évolution. C'est aussi pour cela qu'il y a donc cette hausse de 2 points de la TFB également, qui représente environ 80 € par habitant. Au niveau des droits de mutation à titre onéreux, on les a prévus à 3 millions, donc plus 200 000 par rapport au BP 2022, recettes volatiles et imprévisibles. Pour ma part, je garde un petit doute, mais en même temps, je peux me tromper. Donc, en tout cas, c'est bien de l'avoir mis au bout de 3 millions, puisque de toute façon, si c'était moins, ce ne serait pas de beaucoup. La taxe de séjour, donc 90 000, la taxe d'électricité, l'attribution de compensation, donc ça, on vous l'avait dit, c'est toujours 6 880 000, et la dotation de solidarité communale via la CHGBS, donc sur l'énergie, avec une enveloppe pour Maison Lafitte, de 352 000 euros. La dotation globale de fonctionnement, donc pas d'évolution, là pour 2022, donc j'étais méchant tout à l'heure, mais à juste titre, compte tenu de tout ce qu'on a vécu. Là maintenant, ça se calme, ça reste assez bas, évidemment, et ça ne bouge plus que par le facteur population depuis 2 ans. Et ça, c'est assez imprévisible, le facteur population. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi, des fois, ça monte ou ça descend. Non. Mais bon. Au niveau de la reprise des résultats 2022, donc on dégage une épargne nette de 5,4 millions, soit un niveau d'épargne nette par habitant de 227 euros. Et c'est pour la strate des communes de même taille, 105 euros par habitant. Résultat net comptable, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, de 10 291 000 euros, avec 6 millions pour reporter sur la section de fonctionnement et 4 291 affectés aux 1068 en recettes d'investissement. Ce qui nous permet de dégager un autofinancement d'environ 7 570 000 euros. Voilà pour le fonctionnement.
Au niveau de l'investissement, le résultat net de clôture comptable est, lui, de 30,2 millions. Grâce à cette discapacité de financement, on a un autofinancement possible, donc un fonds de roulement sur fonds propres d'environ 320 jours. Donc là, je ne vous cite pas, dans les communes de même strate, on est évidemment nettement au-dessus de la moyenne. Or, grâce à l'autofinancement de la section de financement, donc on a une enveloppe pour les grands projets d'investissement de 23,7 millions, qui est totalement autofinancée et qui vient compléter celle des projets courants. Vous savez, les projets courants, c'est tous les projets d'investissement qui sont les voiries, par exemple, tout ce qu'on refait, et qui représentent à la louche entre 8 millions et 8,8 millions d'euros par an. Donc, en plus des grands projets. Voilà, donc, c'est effectivement, c'est marqué après, sur les grands travaux d'investissement, c'est l'espace Malzer, salle de danse, les tennis, la restructuration du POPD, la halle du marché, également, on y reviendra. Mais donc, s'il nous est reproché de ne pas investir beaucoup, je pense que tout ça prouve évidemment l'inverse. Et clairement, au niveau des projets d'investissement prévus, donc, il y a sur le culturel, donc Malzer, vous avez vu les travaux qui sont en cours, hein, et la salle de danse également. Au niveau du scolaire également, vous avez vu à Mansart, donc pour la réfection de la toiture, la réfection de la cour de l'école maternelle du Clos-Léné et également l'installation des contrôles d'accès dans les écoles pour la sécurité qui était nécessaire. Alors, je vais passer assez vite, mais vous citez quand même au niveau voirie, environnement, espace vert, puisqu'on fait quand même beaucoup de choses au niveau de l'entretien de la commune. On ne laisse pas tout cela en vrille comme dans certaines communes, et Paris en donne un bien mauvais exemple, enfin un bien bon exemple malheureusement de ce cas de figure. On a donc beaucoup de signalisations, de remplacement de potelets, de beaucoup de choses également pour améliorer. Au niveau de la petite enfance, on a une enveloppe annuelle toujours de provision pour la mise en accessibilité. On a également des achats de matériel, des reprises d'étanchéité, ça quand ça arrive, bon, les refactures, et des installations de contrôle d'accès puisque ça a été un point général. Au niveau des sports, donc, on a, comme vous le savez, donc, sur l'île de la Commune, la fin des travaux des tennis couverts, que vous pouvez maintenant apprécier et que vous apprécierez bientôt en parfait fonctionnement. Également, évidemment, ce qu'il faut toujours faire, des remplacements de chaufferies, c'est la vie de la Commune, hein, et il vaut mieux les remplacer avant qu'ils ne tombent en panne, bien évidemment. Et puis, des réhabilitations au POPD, l'espace jeunesse, donc quelques petites choses aussi de chaufferies, beaucoup de problèmes de chaufferies, là, et également donc, des petits travaux. Au niveau informatique, là aussi, des petites choses, notamment sur la vidéoprotection. Le remboursement du capital de la dette, je n'y reviens pas. Enfin, disons que c'est un taux à 2,15, hein, donc évidemment, qui est sans problème et surtout sur une toute petite quantité. Au niveau des recettes d'investissement, elles sont en hausse de près de 3 millions d'euros, c'est-à-dire plus 7% par rapport à 2022. Donc, c'est essentiellement la hausse de l'autofinancement de 1,7 million et la hausse des opérations patrimoniales de 1,3 en raison des investissements importants sur Malzerbe et de réintégration d'études sur les travaux. Donc, également, nous avons des subventions pour les grands projets d'investissement, on en parlait déjà tout à l'heure, qui sont inscrites en reste à réaliser. Donc, effectivement, il y a le conseil départemental et le conseil régional, et la région, pardon, je n'y reviens pas, mais il y a aussi le fonds Éperon, le CIGEF, la cave des Yvelines. On fait feu de tout bois à chaque fois, évidemment, pour avoir les subventions, et merci aux services, puisqu'on cherche à recruter déjà depuis un moment, à ce niveau, quelqu'un pour nous aider, et c'est extrêmement difficile. Donc, ce sont les équipes, en plus de leur travail actuel, qui le font, et qui le font avec efficacité, et je pense qu'on peut les en remercier. Voilà donc pour le budget principal. Et nous avons également donc les budgets annexes de gestion assainissement. Je n'ai pas oublié quelque chose, non. Comment ? Oui, c'est ça. Donc, on est déjà à l'assainissement, pardon, j'étais un petit peu vite peut-être. Donc, les compétences eau potable, assainissement et eau pluviale, comme vous le savez, ont été transférées à la CSGBS. Par contre, il y a des conventions de délégation qu'on a votées en délibération, évidemment, ensemble, hein, de façon à ce que les dépenses soient faites par la ville pour le compte de la CSGBS, qui n'était pas prête à prendre en compte ces nouvelles attributions. Et par contre, les recettes leur sont versées directement, et ça va se mettre petit à petit en place. C'est un peu long, d'ailleurs. Voilà. Ah. Il y a un petit écho. Donc, les dépenses effectuées, donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a surtout des frais de personnel communal, en fait, pour la gestion du service, tout simplement, hein, et puis pour le renouvellement de la DSP. Et en recettes de fonctionnement, elles vont directement à la CSGBS.
Au niveau de la section d'investissement, on a surtout des travaux neufs pour les travaux d'extension de réseau et également donc des études d'investigation. Vous savez, quand ils passent à l'intérieur des tuyaux pour voir ce qui ne va pas, et essayer d'éviter les problèmes comme celui qu'on a eu sur l'ovoïde de la rue de Paris, essayer d'arriver avant pour que ça coûte un peu moins cher, quoi. Voilà. Donc, au niveau de l'eau potable, c'est pareil. Donc, même système avec la CHGBS. Hein. Donc, les dépenses qu'on fait pour eux sont des dépenses d'études pour des renouvellements de contrats, des frais de personnel communal, là aussi, donc, mais sur lequel, évidemment, on est remboursé. Et nous avons également, donc, en investissement, des poursuites du plan de renouvellement des conduites d'eau absolument nécessaires progressivement pour ne pas avoir de gros à-coups. Au niveau eau pluviale urbaine, bah, c'est absolument pareil. Hein. Même système, hein, avec une provision pour les travaux d'urgence, là aussi, pour être à même de réagir de suite. Sur le budget annexe, lotissement Ronds-Sévigné, le budget s'équilibre en fonctionnement à 584 800 et en investissement à 517 000. Donc, sur 2022, on reprend les résultats déficitaires de la section de fonctionnement et excédentaires de la section d'investissement. Ouais, c'est assez classique. Hein. Le poste le plus important, c'est des gestions de stock. Donc, en fait, ce sont beaucoup de lignes, en fait, de comptabilité, si je puis dire. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc, il est prévu la vente d'un terrain pour près de 450 000 euros. Et en investissement, donc, le remboursement du solde de l'avance à la ville dès que la vente se réalise. Et la reprise de la section d'investissement. Au niveau des parcs de stationnement, équilibre à hauteur de 950 000 euros environ pour le fonctionnement et 700 000 euros pour l'investissement. Et donc, ce sera repris en totalité. Le principal est sur le forfait d'entretien et de collecte versé au gestionnaire du parking, bien sûr. Hein. Et on a également donc une prévision d'autofinancement de 656 000 euros. On va mettre en place des emplacements sécurisés pour les vélos, donc 120 000 euros. Mise en place de bornes électriques pour le rechargement des véhicules, 95 000 euros. Et des blocs places dans le parking des Graviers. Également une enveloppe prévisionnelle de travaux pour faire face à ce qui arrivera de 465 000 euros. Et les recettes, quant à elles, sont composées de virements de fonctionnement à l'investissement, évidemment. Et puis d'une reprise d'excédent de clôture. Voilà donc pour la partie budget pour 2023. Alors, je te remercie, Philippe. Je tiens ici à remercier l'ensemble des services qui nous ont permis d'élaborer ce budget, qui, comme je le rappelle, a fait l'objet de débats permanents entre tous les élus. C'est-à-dire que sur chaque secteur d'investissement, de fonctionnement, nous avons organisé des réunions où tout le monde pouvait assister entre élus et on en a discuté. Bien évidemment, soyez certains que s'il faut trancher in fine, je l'ai fait. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions. Mais ça a fait, je tiens à le dire, l'objet de multiples débats entre nous et ça a duré pratiquement 3 mois. Hein? Voilà, donc ça a été vu, revu et à ce titre. Alors, j'ouvre la discussion. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Ljubenović, allez-y. Merci, monsieur le maire. Alors, je ne vais pas refaire les débats du ROB. C'est aussi juste pour annoncer, évidemment, je voterai contre le budget ville. Je suis rassuré. Voilà, histoire d'être cohérent d'année en année. Et j'espère qu'on votera bien les points tous séparément, parce que là, on en a couvert une bonne dizaine quand même. Et aussi contre l'augmentation de la taxe foncière. Alors, histoire de quand même reprendre deux, trois points là-dessus, parce que l'augmentation de la taxe foncière, c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas annoncé. Justement, le mois dernier, lors du rapport d'orientation budgétaire, on avait parlé de l'augmentation des bases. Et quand on regarde le rapport d'orientation budgétaire, on a l'augmentation des bases, mais pas l'augmentation de 2 points de la taxe foncière qui est présent dessus. Et donc, La question, c'est de comprendre, enfin, l'augmentation des bases qui était de déjà 3% l'année dernière, 7% cette année. Et là, par contre, c'est une augmentation de la part communale de la taxe foncière de 2 points. Il y a déjà une première question là-dessus, je vous invite à les noter parce qu'il va y en avoir quand même un certain nombre. Déjà, une première question, pourquoi maintenant, par rapport au mois dernier, on a ce besoin de 2 points supplémentaires de taxe foncière, ce qui ne nous était pas annoncé. Ensuite, il y a, enfin, le vote contre le budget de manière générale, c'est encore une fois parce que je pense, comme chaque année, qu'on aura inévitablement une surévaluation
des dépenses, une sous-évaluation des recettes, c'est habituel depuis que j'assiste à ces conseils municipaux, que ce soit dans le public ou en siégeant, c'est toujours le cas, donc je m'attends à ça l'année prochaine. Et derrière, sur le, c'est aussi une remarque sur le fait qu'on se plaint des conséquences dont finalement on chérit quand même un peu les causes. On a une gestion qui est très conservatrice, prudente, certains diraient abusivement bon père de famille, et juste avant, on vient de se plaindre du besoin d'investissement qu'on va avoir sur la rénovation énergétique. Alors, quand même, c'est pas quelque chose qui est totalement surprenant. On s'est pas réveillé du jour au lendemain en se rendant compte qu'il y avait une crise climatique et qu'il y aurait un besoin de rénovation énergétique. La loi Elan, dont vous parlez régulièrement dans ce conseil municipal, elle date de 2019. La notion de réduction de la consommation finale des bâtiments tertiaires de 40% d'ici 2030, ça date déjà de 2019. On pouvait bien s'attendre à un moment ou l'autre à ce que ça nous tombe sur le coin du nez. C'est pas totalement surprenant. Et en fait, quand on regarde, c'est le genre de choses qui nous arrivent constamment. On parle des LED tout à l'heure. Les LED, on en a déjà parlé dans d'autres conseils municipaux. Quand on regarde le rythme dans lequel on avançait, on en avait pour 30 ans à remplacer toutes les LED de la ville. C'était exactement la même chose avec les logements sociaux, où aujourd'hui on avance à un rythme d'escargot, mais aussi parce que c'est un choix. Et en fait, ce qui est dommage, c'est de constamment se plaindre des choix qu'on a faits sans vouloir en assumer les conséquences. Enfin, je trouve ça absolument, absolument dingue comme manière de faire. Et dernier point que j'aimerais noter, c'est sur la question des associations. Quand on a validé, enfin, quand ce conseil municipal, finalement, a approuvé la charge fluide pour les associations, dont on nous a appris, du coup, qu'elle nous rapporterait 120 000 euros le mois dernier, donc 0,1% de notre budget. On fait vraiment des économies de bout de chandelle, hein, j'avais souhaité, bon, ce n'est pas le cas, évidemment, c'était un souhait de ma part, donc ça n'a pas été le cas, mais j'avais souhaité qu'on puisse avoir, en regard des associations financées, combien finalement les associations refinançaient la ville, histoire de comprendre aussi, finalement, combien ces associations auxquelles on donne de l'argent rendent de l'argent à la ville. Bon, finalement, on n'a pas ce regard-là, je trouve ça dommage, parce que ça permettrait aussi une meilleure information globale sur le réel financement associatif de notre ville. Merci. Voilà. Vous avez terminé? Oui. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Madame Géa. Merci, monsieur le maire. Alors, il est vrai que l'absence d'investissement, l'absence de grands projets et le manque de services rendus aux Mansoniens il y a quelques années et pendant plusieurs années a fait que la ville a eu une réserve de jusqu'à 37 millions d'euros, un très gros matelas, mais un matelas tellement gros que finalement la ville perdait de l'argent tous les ans. Vous nous avez répondu à ce sujet que vous faisiez des économies pour pouvoir investir, et effectivement il y a une nette amélioration des investissements. Alors, je trouve le procédé assez facile, le procédé qui consiste à lister les investissements depuis 2014. En s'arrangeant un peu avec les dates, hein, pour allonger la liste, moi, je vous conseille de remonter jusqu'à 1989. Ça aurait été, à mon avis, encore plus long. Madame, je suis d'accord. Oui, mais c'est certainement très important, mais ce n'est pas très honnête quand on parle d'un budget 2023. Enfin, on parle du budget ou on ne parle pas du budget? Bon. Et puis, il y a quand même quelque chose que vous oubliez, parce que le centre Yankelevitch était déjà au budget de 1995. J'en viens au sujet principal. Comment pouvez-vous augmenter le taux de la taxe foncière? Comment pouvez-vous, en ayant encore 30 millions dans les caisses, dont 23,7 ne sont pas fléchés, augmenter le taux de la taxe foncière? Comment pouvez-vous augmenter ce taux en ayant une augmentation artificielle des dépenses, parce que vous n'anticipez absolument pas l'aide de l'État, le fameux amortisseur? Je sais que vous ne pouvez pas l'inscrire dans le budget, mais dans votre choix, dans votre décision
d'augmenter le taux, vous pouvez quand même en tenir compte. Comment pouvez-vous augmenter le taux de la taxe foncière alors que vous avez augmenté tous les tarifs de la ville de 4% à 4,5%? Comment pouvez-vous aussi augmenter le taux de la taxe foncière alors que vous avez installé une taxation abusive des associations sans augmenter par ailleurs leurs subventions? Les AC... Merci. Les attributions de compensation sont constantes, vous l'avez dit. Ce n'est pas de ce côté-là que ça pêche. Il n'y a pas d'augmentation du FPIC. La même chose. Alors, je suis d'accord, les fluides augmentent, le SDIS augmente aussi. Mais tous les produits de services augmentent de 14%. Ça, c'est votre augmentation tarifaire. Et vous faites le choix d'augmenter le taux, ce qui met les recettes à une augmentation de 16% et globalement de 12% des recettes. Donc, on peut même remarquer que vous arrivez à une hausse de l'autofinancement et vous augmentez quand même les impôts. C'est vraiment quelque chose qui est effectivement difficile à comprendre. Alors, si dans cette assemblée, quelqu'un avait l'idée saugrenue de m'attaquer ou de me rendre responsable sur le taux, l'augmentation du taux de la taxe foncière du département, je voudrais juste préciser des choses. Ce taux a été inchangé pendant 20 ans. Le département a eu le courage d'augmenter le taux de la part départementale que la ville récupère aujourd'hui. Et cette augmentation, certes brutale, au bout de 20 ans, finalement, a exactement le même résultat que l'augmentation de la ville de Maisons-Laffitte, qui pendant tout ce temps a augmenté de 1 ou 2% pendant des années, le taux des taxes. C'est certainement votre méthode. Par ailleurs, cette personne, je pense, n'osera pas m'attaquer cette fois-ci sur cette augmentation du taux de la département, pour la bonne raison que cette personne a tout à l'heure listé, avec beaucoup d'engouement, pour répondre à mon collègue Givadinovitch, a listé tout ce que le département a fait de bien avec cette augmentation du taux. Alors, pour en venir au sujet, je considère que vous ne pouvez pas faire subir aux Mansoniens une augmentation de tous les côtés, alors que vous gardez dans les caisses de la ville leur argent. Et donc, cette explication, pour terminer... Madame Neuville, vous avez la parole, puisque vous l'avez demandé. Je voterai contre. Oui, mais on a compris ça, c'est pas la peine d'insister. Oui, Monsieur le maire, j'avais simplement sept questions. La première, l'article 116 de la loi de finances pour 2004 permet aux collectivités locales et aux municipalités donc de placer des fonds sur des comptes à terme rémunérés ou donne également aux villes accès aux SICAV et à des fonds de placement garantis. Vous l'avez rappelé, Monsieur Bouvier, lors de votre présentation du budget, nous avons à la fois un excédent, mais nous avons surtout des réserves colossales. Est-ce que ces réserves, sur les 10 dernières années, ont pu être placées grâce à cette loi? Le deuxième point, c'est l'augmentation de la taxe foncière. Alors, c'est extrêmement étonnant parce que, alors que vous devriez vous battre pour que les Mansoniens aient plus d'argent à la fin du mois, vous vous attaquez à leur portefeuille. Ce qui rend finalement ce budget assez injuste. La taxe foncière, évidemment, n'a pas été augmentée depuis 2018. Elle a curieusement baissé en 2020. Année électorale, chacun y verra peut-être une relation de cause à effet, mais cette décision qui est la vôtre d'assommer les Mansoniens avec des hausses en tout genre, et notamment des hausses de cette taxe foncière, est assez étrange parce que si l'on compare Maison Lafitte, si l'on compare ce taux de l'assiette à d'autres villes, Saint-Germain qui gèle, 9,57%. Sartrouville, 12,46%. Le Pec, 12%. Château, 10,74%. Marie-Marly, 10,49%. Alors,
nous interrogeons énormément sur l'utilité de cette hausse, notamment lorsque vous présentez cette gestion en bon père de famille, mais une gestion qui n'a pas vu l'inflation, parce que si l'on part du postulat qu'il y a 23,7 millions d'euros dans les caisses et que l'inflation serait à 7% pour cette année, c'est 1,6 million d'euros de perdu. Le troisième point, ou la troisième question, c'est finalement de savoir pourquoi les subventions aux associations n'ont pas été revalorisées, parce que mécaniquement, elles baissent, tout augmente, sauf les subventions aux associations qui sont stabilisées, certes, mais mécaniquement, avec le processus d'inflation, eh bien, elles y perdent. Le quatrième point, eh bien, écoutez, c'est la grande question absente de ce budget. Vous avez parfois le sens du détail dans le rapport d'orientation budgétaire. Vous expliquez que vous allez allouer 8000 euros pour la végétalisation du cimetière. En revanche, les millions d'euros que vont coûter la société de course, la reprise des courses, les dépenses pour l'hippodrome, la piste, le désamiantage, le montage financier pour refaire partir les courses, eh bien écoutez, tout cela est curieusement absent du budget. Il n'y a pas une ligne budgétaire qui traite de la question hippique, si ce n'est la vente eh bien d'une sculpture, je crois, et de pots en terre, voilà, l'achat, ouais, enfin la vente de la part de France Gallo et l'achat de la mairie eh bien de ces œuvres d'art qui sont très belles, mais finalement qui sont si faibles d'un point de vue budgétaire par rapport aux coûts colossaux qui sont très curieusement absents de ce budget. Le cinquième point, eh bien, c'est une suggestion ou une question. Pourquoi ne pas avoir rendu un peu plus participatif ce budget, ce qui casserait peut-être avec la pratique transversale qui est la vôtre, pardon, rigoureuse mais verticale qui est la vôtre, et de rendre ce budget un peu plus transversal, c'est-à-dire de proposer aux Mansoniens une somme de 100-300 000 euros avec un projet, ce qui permettrait de leur faire participer à leur budget et de les intéresser peut-être un peu plus à ce débat qui effectivement est technique. Le sixième point, eh bien, c'est sur la santé, parce que effectivement, alors vous allez nous présenter un projet, mais nous sommes un désert médical, mais je ne vois pas dans ce projet ce qui est fait par la mairie pour attirer de nouveaux médecins, par exemple leur payer des loyers, salarier le médecin. Tout ça, c'est extrêmement concret, c'est facile, c'est fait dans les autres villes, mais ce n'est pas fait ici. Et puis, le septième et dernier point, qui est peut-être un peu plus personnel, mais qui nous tient extrêmement à cœur avec Madame Géin, et que nous avons demandé l'année dernière également, qui traite peut-être d'une certaine forme de transparence de la vie politique, ou peut-être de dignité dans l'engagement public. Eh bien, il s'agit du remboursement de la part de Monsieur Millard et de Madame de Balanda des frais de justice qui ont été payés par la collectivité. Il s'agit de plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Et on voudrait savoir si ces frais de justice pour des procès qui ont été faits contre des opposants qui ont été perdus ont été remboursés, parce qu'il ne doit pas, à mon sens, y avoir un centime du budget public pour de tels agissements. Merci. Comme dirait l'autre, vous n'avez pas changé et vous mélangez tout. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Madame Kérodrin. Merci. Effectivement, encore une fois, on peut vous féliciter pour la gestion saine du budget de la ville. On voit qu'effectivement, les dépenses augmentent sensiblement. C'est vrai que 2 millions d'euros pour les fluides, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a jamais connu. Et donc, en réponse, bah, vous augmentez les recettes, les impositions, les tarifs. On le verra après avec tous les tarifs municipaux. C'est ça, c'est vrai, c'est sûr, hein, augmentation des dépenses, augmentation des recettes. Sauf qu'il y a quand même une incohérence, c'est qu'on dégage une marge de manœuvre en autofinancement qui est assez colossale, vu le contexte. Et simplement, je vous dirais, je vous dis souvent qu'on a un problème de vision dans le budget, une vision pour les 20 ans à venir, pour une vision pour la ville de demain. Je serai peut-être plus précise ce soir. Je pense qu'il faut
aussi prendre en considération la vision des mansoniens eux-mêmes. Parce que tout augmente, mais également la vie pour eux. Les salaires augmentent pas forcément. Vous avez des situations très contrastées. Et je pense que réduire la politique sociale de la ville à l'action du CCAS est vraiment une vision trop limitée. Cette politique sociale, vous pouvez également la voir au travers de ce budget, en accusant le coup cette année, en disant, vu les marges de manœuvre qu'on a pu ressortir de ce budget, eh ben, on décide de ne pas augmenter de 2 points la taxe foncière pour la part communale. On décide également de ne pas augmenter tous ces tarifs de 4%, le forfait de post-stationnement, la redevance pour le stationnement. Et on soutient au travers de notre action globalement tous les mansoniens, locataires, propriétaires et autres. Voilà, c'est la différence que j'ai principalement. Et vous l'avez compris, je ne vote pas contre le budget parce que je sais que c'est important et fondamental pour avancer. En revanche, j'ai cette divergence de point de vue et de vision qui fait que je m'abstiens. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Enfin, vous me direz ce que vous ferez, on verra bien. Je viens de vous le dire. Merci, madame. Alors, Franck va vous répondre et ensuite je prendrai la liberté de revenir sur un certain nombre de points. Je souhaiterais simplement que vous regardiez la réalité en face. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais commencer par répondre à la dernière intervention qui est celle de Madame Quérodin sur les solidarités. Évidemment, c'est un souci constant de la municipalité. Je rappelle que le budget du CCAS est en constante augmentation ces dernières années. Vous avez d'ailleurs un graphique dans le rapport qui vous a été présenté. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, dans cette assemblée, nous avons voté une évolution des tarifs de la cantine avec la mise en place d'une grille tarifaire au quotient, et donc qui tient compte évidemment de la disparité des revenus des mansoniens. Et puis, rappeler également sur la taxe foncière, elle évolue de 2 points, elle est acquitté par les propriétaires. Évidemment, des propriétaires peuvent avoir des difficultés financières ou sociales. C'est peut-être pas ceux qui sont concernés en premier. Sur l'intervention de Monsieur Lubenovitch. D'abord, je m'étonne parce que j'avais bien parlé lors du dernier conseil municipal et lors de la présentation du rapport des orientations budgétaires de la possible évolution du taux communal de taxe foncière. Donc je vous invite à reprendre la vidéo du précédent conseil municipal. Et c'était à la fois dans vos rapports et je l'ai évoqué dans cette assemblée. Je l'ai aussi évoqué en commission des finances. Je sais, j'ai pas eu le plaisir de vous y voir, mais je crois que je sais bien. Mais voilà. En tout cas, ça a été dit en commission, ça a été écrit dans le rapport et dit en conseil. Je pense qu'on peut pas faire davantage. Vous nous avez interpellé sur les questions d'audit énergétique. Le maire en a dit un mot tout à l'heure les dépenses liées à la transition énergétique. C'est effectivement quelque chose qui est dans les tuyaux. On a un audit énergétique qui a été rendu, qui est sur le point d'être rendu, pardon, et qui fixe un certain nombre de choses à réaliser pour améliorer notamment la performance énergétique de nos bâtiments, mieux utiliser les ressources. Et c'est un sujet, le maire en a parlé tout à l'heure, qui va être extrêmement coûteux dans les années qui arrivent et qui nécessiteront des investissements lourds. Vous parlez des logements sociaux construits à un rythme d'escargot. Pardonnez-moi. Dans ce budget, vous avez une surcharge foncière versée pour l'opération à l'angle de l'avenue de Longueuil et de la rue de la Muette pour 1 300 000 euros. On parle de 16 à 17 logements. Vous vous rendez compte, monsieur Lubenovitch, du prix, du coût que représente la production de logements sociaux dans cette ville? Sincèrement, je trouve que votre remarque sur le rythme d'escargot est particulièrement déplacée. Madame Géin, je crois que vous avez décidément un problème avec les chiffres. Au mieux, c'est de la mauvaise foi. Au pire, de l'incompétence, peut-être un peu des deux. D'abord, je voudrais faire œuvre de pédagogie concernant la réforme de la fiscalité locale.
le transfert de la part départementale de la taxe foncière n'est pas un cadeau à la ville. C'est pas une manne fiscale dont la ville a profité. Ce transfert vient tout simplement compenser une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et une partie seulement, puisque le reste est abondé via le coefficient correcteur, le fameux coco dont on parle régulièrement dans cette assemblée. En d'autres termes, Madame Géin, ne pensez pas que vous avez fait un cadeau à la ville de Maisons-Laffitte, et encore moins aux Mansoniens. Si vous avez fait un cadeau, c'est à Bercy et au budget de l'État. Sur le plan de la fiscalité, pardon, épargnez-nous un peu vos leçons de morale. Vous êtes, Madame Géin, à l'origine de la plus forte hausse de la fiscalité de l'histoire de Maisons Laffitte. Mais je sais que ça vous dérange, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, je le répétais autant que vous... Mais vous vous répétez, monsieur Lelièvre, et vous oui, répétez la même chose à chaque fois. Arrêtez. Madame, vous n'avez pas la parole. Merci. Et il vaut mieux se répéter en politique que se contredire comme vous. Merci. Voilà, donc faut vraiment être amnésique. Madame, je vous prie, laissez parler Franck Lelièvre. Madame Géin, je vous ai écouté religieusement. Gardez votre sang-froid. Vous aurez l'occasion peut-être de me répondre. Donc faut vraiment être amnésique et de mauvaise foi pour nous donner des leçons aujourd'hui. Donc, Philippe Bouvier l'a rappelé, nous subissons aujourd'hui une explosion des prix de l'énergie. On a vu dans le budget que ça va représenter une hausse de 2 millions d'euros sur le budget qui vous est proposé de voter. Nous absorbons une hausse des dépenses de personnel et on va avoir un effet en année pleine puisque au 1er juillet 2022, on a eu une augmentation du point d'indice de 3,5%, la hausse du SMIC, la refonte des grilles indiciaires pour les catégories B et C, et donc des dépenses de personnel qui vont augmenter de près de 2 millions d'euros, une flambée des matières premières, une augmentation sans précédent des denrées alimentaires. Voilà, cette augmentation de la taxe foncière, elle se fait dans ce contexte-là. Elle se fait pas hors sol. Il y a même des élus locaux de départements voisins qui manifestent aujourd'hui devant les préfectures, c'est dire à quel point les budgets des collectivités locales sont en tension. Je rappelle par ailleurs que nous avions baissé la taxe foncière en 2019 et que même en tenant compte de l'évolution de cette année, la taxe foncière aura augmenté de 1,3 point sur les 8 exercices budgétaires qui viennent de s'écouler. 1,3 point et 66%, Madame Géin. Voilà. D'autres collectivités, vous le voyez dans les médias, augmentent fortement la taxe foncière. Alors, on n'a pas, on ne battra pas le record de Paris qui fait évoluer sa taxe foncière de 52%. On ne battra pas non plus Grenoble, 25%, Metz, 14,5%, Marseille. Voilà. Entre 2016 et 2021, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 9,4% au niveau national pour les communes de cette strate, et dans le même temps, elle a baissé à Maisons-Laffitte. Le taux moyen de la taxe foncière pour les communes de la strate de Maisons-Laffitte est de 39,40%, bien au-delà du taux de Maisons-Laffitte, puisque je le rappelle, nous sommes à 26,11%. Le produit de taxe foncière par habitant collecté est, lui, de 540 euros à Maisons-Laffitte par habitant, et de 571 euros par habitant pour les communes de la même strate. Donc vous le voyez, il n'y a pas de coup de bambou à Maisons-Laffitte. Les Mansoniens ne sont pas moins bien lotis que les habitants des autres communes de la même strate. Et donc cette hausse est tout à fait raisonnable. Monsieur Givadinovic, je crois que vous êtes vraiment merveilleux. Merveilleux. À la hauteur de votre première question de ce conseil municipal, vous avez enchaîné ce soir. Vous nous avez cité des taux de taxes foncières de communes voisines avant la fusion avec la part départementale de la taxe foncière. Avant, monsieur Givadinovic. Donc, je vous ai cité. Non, mais soyez exact. Monsieur Givadinovic, vous n'avez pas la parole. Apprenez un peu à vous contrôler, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Merci. Non, Franck Lelièvre va terminer et vous viendrez après.
Monsieur Jivaninovitch, arrêtez de faire le drôle là-bas. Vous êtes un drôle. Merci. Continue, Franck, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Donc vous êtes absolument merveilleux. Vous nous citez des taux de taxes foncières avant la fusion avec. Je viens de vous dire l'inverse, mais vous faites exprès. Mais non, monsieur Jivaninovitch, vos contre-vérités, vous en êtes un expert. Alors calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Personne ne vous entend et ce que vous dites viendra après si nécessaire. Voilà. Mais vous pouvez. C'est absolument abominable la manière dont vous vous comportez. Tout à l'heure, j'ai dit à Mme Singer un peu rigolard la NUPES, mais vous, c'est sans NUPES. Bien. Vous nous avez suggéré que Maison Lafitte était un désert médical. Alors, pardon, mais on aura l'occasion d'ici quelques délibérations de voter. Une délibération très importante sur le parking du marché, un pôle médical qui sera proposé pour les mansoniens. Vous suggérez de payer des loyers. Pardon, c'est interdit. Pardon. Pardon, monsieur Jivaninovitch, c'est totalement interdit d'aller régler des loyers de praticiens privés. Voilà, donc, de la même manière, vous nous dites placer l'argent. Je ne sais pas d'où vous débarquez, mais c'est impossible. Ah non, alors pardon, c'est juste la loi. Hein. C'est la loi de. Ce n'est possible que pour un certain nombre de ventes, c'est tout. Donc vous faites erreur. On en a fait certain nombre de ventes. Oui, ça va. Allez, vous n'allez pas nous apprendre à gérer la vie. Voilà. Et donc, vous faites passer les gens pour des idiots, ce qui est assez désagréable. Est-ce que vous pouvez vous taire? Mais c'est fatigant, c'est vous qui fatiguez. Effectivement, faites de l'autocritique un peu. Bon, voilà, monsieur Jivaninovitch, gardez votre calme, vous aurez l'occasion de répondre, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'on pouvait dire, je laisse mon collègue Philippe Bouvier compléter mon propos. Bien, alors, qui souhaite rajouter quelque chose? Allez-y. Non, attendez, on va quand même organiser parce qu'il faut voter, tout le monde s'est exprimé, alors madame Lavagne. Je vais répondre, répondre à monsieur Lelièvre. Vous permettez, madame Lavagne, à lever la main avant vous. Alors, tout d'abord, je remarque que M. Lelièvre a toujours les mêmes attaques avec Jeannine Géant, ça vient de changer un peu. Et un autre point, donc, je regrette qu'on n'ait pas le compte administratif, parce que concrètement, vous repartez des prévisions budgétaires de 2022 pour faire le budget 2023. Or, comme l'ont dit les collègues, le budget 2022 a été surestimé pour les dépenses de fonctionnement, sous-estimé pour les recettes et rebelote en 2023. Donc déjà, c'est regrettable. Ensuite, il y a un élément que vous n'avez pas répondu, c'est la réserve d'investissement que l'on a qui n'est pas ciblée. Si c'était ciblé, on aurait des autorisations d'engagement puisque l'on a changé de maquette budgétaire lors d'un dernier conseil municipal, et que maintenant, tous les investissements doivent être, il doit y avoir des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Et donc, normalement, on devrait avoir des autorisations d'engagement pour les 23,7 millions de disponibles. Or, quand vous dites que ça coûte 3 à 4 millions d'euros pour remplacer les LED, les 11 millions d'euros pour la rénovation énergétique, ça veut dire qu'en un ou deux ans, on peut le faire. Pourquoi attendre? Merci. Madame Géant. Oui, je souhaiterais répondre à Monsieur Lelièvre. Anna, toute cette histoire vraiment est quand même ubuesque. Alors, moi, j'ai peut-être un problème avec les chiffres, mais vous avez un problème avec les mots. Je ne trancherai pas entre l'incompétence et la mauvaise foi. Je laisserai chacun juger en ce qui vous concerne. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un cadeau. J'ai jamais dit que c'était un cadeau, que la taxe, la part départementale qui revenait à la commune était un cadeau. Je connais parfaitement l'histoire du coefficient correcteur et je connais parfaitement la compensation de l'État. Qu'est-ce que vous inventez là? Ce que vous transformez les propos pour pouvoir répondre à côté. Alors, puisque vous aimez bien quand même les chiffres, je vais vous dire quelque chose, monsieur Lelièvre. Vous auriez pu aussi vous renseigner sur le taux du département. Même avec cette augmentation importante, le taux de la taxe foncière du département restait le plus faible de tous les départements franciliens. Et il était le quatrième plus faible de toute la France. Donc je pense que là, vraiment, ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Yep, yep, yep.
Oui, je vais être très très court, désolé. Hein. C'est juste aussi pour continuer le fact-checking de ce point de vue-là. Paris, quand on regarde, c'est aussi une commune-département, c'est 20% la taxe foncière au total, 8% de moins que la part commune-département de Maisons-Laffitte. Donc faut aussi remettre les choses là où elles sont. Et sur l'évolution, j'ai pas terminé, monsieur le maire. Hein, monsieur le maire. Signal. J'aimerais que vous ne m'interrompiez pas. Mais non, mais je vous dis, c'est les mêmes contribuables. Département ou ville, c'est la même chose. Oui, mais Paris, oui, ça reste 20% pour Paris. Paris est une commune département, point. Et ensuite, sur la question des logements sociaux, en 2014, on était à 11,5. En 2020, au moment de la campagne, on était à 13. C'est ça que j'appelle un rythme d'escargot. C'est 1,5% en 6 ans. Alors qu'on a un objectif de 25. Voilà, c'était juste pour pouvoir poser des chiffres aussi là-dessus. Oui, moi je trouve la mauvaise foi de M. Lelièvre assez confondante. D'ailleurs, on voit qu'il a répondu simplement au point qu'il a rangé. Donc sur le premier point et la première question, moi je vous invite à relire la loi et ce fameux article 116 de la loi de finances pour 2004 qui permet ces placements dans le cadre de ventes. Effectivement, M. Millard l'a précisé, il y a eu des ventes et donc il est possible de placer le fruit de ces ventes et d'en avoir des dividendes. C'est encadré par la loi et ça permet de gagner un peu plus d'argent pour la collectivité. Le second point, Monsieur Lelièvre, moi qui me chagrine un peu, c'est que vous avez totalement oublié le point sur l'hippodrome et sur ces coûts-là. Ça apparaît jamais dans le débat d'orientation budgétaire, ça n'apparaît pas non plus ce soir, et c'est bien dommage. Quant à la reprise sur les taux, je vous invite à voir ce qui se passe dans les villes avoisinantes. Les chiffres que je vous ai donnés sont à date du mois de mars 2023. Donc ce n'est pas parce que vous répéterez des contre-vérités qu'elles deviendront des vérités. Je vais... Pardon, allez-y, Madame Sanger. Oui, juste un petit mot par rapport à l'augmentation des fluides donc, et de l'électricité notamment. Effectivement, c'est une problématique importante pour les communes et bien évidemment, il n'y a pas lieu de critiquer le fait de... prendre cette importante évolution budgétaire en compte. En revanche, je ne trouve pas très honnête que vous mentionniez toujours cette fameuse hausse de 2 millions qui est effective, mais dont vous savez pertinemment qu'elle va être compensée en partie par l'amortisseur. Vous le savez pertinemment, vous ne connaissez pas le montant à ce jour, mais vous pourriez au moins, dans le débat et dans la conversation, dire que il y aura un amortisseur qui va prendre en compte une partie de cette hausse et que donc on ne peut pas justifier l'augmentation de la taxe foncière par le fait qu'il y a cette augmentation des fluides. Madame Saint-Cher, et Bouillet va vous répondre. Oui, Madame Saint-Cher, je suis un peu surpris que vous ayez été inattentif pendant que je parlais. J'ai dû parler assez fort sans doute, puisque je l'ai cité et j'ai indiqué que l'État, effectivement, avait une réaction positive à cet égard, avec un mode de calcul technique dans lequel je ne suis pas rentré, où j'ai simplement dit que c'était 50% d'un différentiel entre 280 et en toute franchise, je ne me souvenais pas du nombre maximal, du chiffre maximal, c'est pour ça que je me suis arrêté là, et je l'ai cité. Donc, contrairement à ce que vous dites, nous avons eu l'honnêteté de le citer. Donc, je suis très surpris de ce procès d'intention complètement fallacieux. Alors, c'est pas un procès d'intention, c'est une observation. C'est pas la peine de vous sentir par rapport à une remarque. C'est vous? Ben, je sais pas. Est-ce que vous avez l'air d'être. On a compris. Ça a été dit. Je vais y revenir. Je voulais juste vous dire, Madame Géin. Madame Singer, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Une autre remarque par rapport, effectivement, à la présentation que vous faites de l'augmentation de la taxe foncière. En indiquant que ça va représenter en moyenne une hausse de 80 euros et en vous raccrochant également au fait que la taxe d'habitation ayant été supprimée, ce qui d'habitude n'est pas quelque chose qui fait tellement plaisir à toute votre équipe, donc en vous raccrochant au fait que cette taxe d'habitation ayant été supprimée, ça permet une économie d'un peu plus de 2000 euros au contribuable qui l'a payé. L'avoir rappelé, parce que effectivement, tout est dans tout et réciproquement. Quand on prépare un budget, on tient compte de l'ensemble des paramètres. Et je vous rappellerai effectivement
que s'il y a les deux points de foncière font 80 euros, en contrepartie, j'ai pu le vérifier pour moi-même, il y a eu sur toute la période, en moyenne médiane, bien évidemment, 2600 euros en moins. Mais il n'en demeure pas moins que ça, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous sommes ici pour assurer des services publics. Et que si la ville n'a pas les moyens, effectivement, d'assurer les services publics, eh bien, on est en faute. Et je voudrais dire, vraiment, avec force, que lorsque vous critiquez l'augmentation des deux points, vous oubliez de prendre en compte ce qui va arriver et qui va nous tomber dessus. Il y a des très grandes incertitudes, non seulement sur les problèmes de diagnostic dont nous a dit un mois, il y en a au moins pour 11 millions d'euros. Ensuite, il y a des dérapages qui vont continuer en ce qui concerne les coûts de matériaux et les AP que nous avons ouvertes, on n'est absolument pas certain que ce soit pour Malesherbes, que ce soit pour les d'autres investissements, que nous allons les tenir. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand j'entends ces critiques sur, paraît-il, ces provisions qui ne sont non ciblées, eh bien, je peux vous dire que je connais de multiples collectivités territoriales qui en auraient besoin. Parce qu'il faut regarder la réalité. On risque d'avoir, dans les mois, et bien, d'une part, je suis pratiquement certain que le gouvernement va être obligé d'augmenter la part salariale des fonctionnaires, mais ça, c'est du fonctionnement. Je suis pratiquement certain que nous allons avoir encore des dérapages en ce qui concerne un certain nombre de coûts de matériaux et que nous allons également avoir la nécessité d'investir sur d'autres secteurs et donc ce secteur, ces provisions nous permettront de faire face. Et donc quand j'entends effectivement que ces 80 euros sèment la zizanie et que vous y accrochez par démagogie, je dis non, ce n'est pas sérieux et je vous le dis très franchement. Maintenant, je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Quand ce que Monsieur Livanovitch, vous critiquez la hausse des fluides, je n'ai pas entendu une association critiquer cette chose. J'étais encore récemment en présence, vous permettez, écoutez donc, puisque vous savez tout par cœur. J'étais l'autre jour encore dans une réunion, effectivement, de gens, et la présidente a mentionné ça en disant que c'était infime et que c'est un indice de responsabilité, que vous le vouliez ou non. Parce que nous avons maintenu les subventions, mais que nous faisons prendre conscience à nos concitoyens qu'il faut savoir éteindre dans une salle et qu'il faut participer aux frais communs. Alors maintenant, j'ai à dire, en ce qui concerne, je dirais, les tarifs utiles. Mais bon Dieu de merde, excusez-moi. Mais oui, est-ce que je vais vous rappeler, pourquoi c'est du français, ça a même été dit par Cambronne. Bon, et je vais vous dire une chose. Quand vous vous dites que vous avez augmenté les tarifs de 3 à 5 ou à 4 % et que derrière vous avez une inflation à 6 ou 7, vous trouvez que c'est indigne? Mais où est-ce que vous gérez? Est-ce que vous, le problème, est-ce que vous allez vous retrouver dans un ciseau comme ça où tous les services publics vont coûter beaucoup plus cher et que nous sommes plus capables de faire face? Nous avons la responsabilité de maintenir les services publics. C'est notre objectif. Madame Lavagne, vous vous êtes parlé, je suis désolé, je continue. Alors maintenant, je viens maintenant sur les dépenses d'hippodrome. Je ne vais même pas parler de vos derniers points, monsieur Zianinovitch. C'est indigne. Et vous, non, monsieur, vous êtes méprisant vis-à-vis de la loi. Et vous êtes, en réalité, vous qualifiez trop bien. Mais madame de Balande. Je suis désolé. On a appliqué la loi de A à Z, que ça vous plaise ou pas. Sure. Et donc, je suis désolé, vous n'avez pas la parole. Merci. Et alors, je voudrais dire sur l'hippodrome, petit malin, là. Petit malin. Vous croyez qu'on reste là? Eh bien, je vais vous annoncer quelque chose, puisque c'est ça que vous voulez. Il va y avoir deux tours de table organisés très rapidement, et les FIF en est chargé. Un pour les tribunes, l'autre pour ce que j'appelle la verdure. Et que là, nous sommes en train de monter avec la région, avec le département, avec la Banque des Territoires. Effectivement, ce n'est pas dans le budget. Bien sûr que non, ce n'est pas dans le budget. Et ça n'a pas à l'être. Parce que ce sera quelque chose d'à côté, avec des concours de la région, du département, pour lequel j'ai déjà reçu des accords. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ne mélangez pas tout. Votre amalgame démagogique est indigne de quelqu'un qui est élu. Ça coûtera rien à la ville, donc. Je suis désolé. Le problème, on verra en temps et en heure. Ce qui est certain, oui, attendez un instant. Je trouve dérisoire de la part d'un élu de cette ville à mettre en cause ce qui a été fait pour la reprise de l'hippodrome. Vous étiez ironique. Nous y arrivons. Et maintenant, vous êtes pris à votre propre piège de votre démagogie et de votre contre-information. Oui. Merci. Donc, je mets au vote. Non, maintenant, c'est bon. On va passer au vote.
on va passer au vote. Non, ben non, j'ai pas à commenter le budget, j'ai une question. Vraiment. Donc, il y a deux chiffres que j'ai pas trouvé, que j'ai cherché dans, ils sont pas dans le rapport, et j'ai cherché dans le M57, j'ai pas trouvé. Les 150 000 euros de la CSGBS sur la redevance par IPIC, je les ai pas trouvés. Et, l'année dernière, on a voté 100 000 euros pour engager un directeur de la société. Deux choses. J'ai pas compris. Deux choses. La première chose, les 150 000 euros que la CSGBS doit verser à la ville pour la redevance sur les paris hippiques. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment ? Il n'y en a pas. Mais c'est... Il n'y en a pas. C'est à N plus 2. Donc les courses s'étant arrêtées depuis X temps, donc, il n'y a la, pas. Parce que non. Je vous signale que la CSGBS l'a mise à son budget. Mais ça, c'est une erreur. J'en suis convaincu. On ne touche de la CGBS que les 350 000 euros qui a été non-paiement sur le IDF Mobilité. Voilà. Non, mais d'accord, mais ça, c'est dernière course 2019. Donc, la redevance sur les paris hippiques de 2019 n'a pas été versée à la ville, il restait à la CGBS. Alors, écoutez, on vérifiera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les versements, notamment de cette partie de la redevance miard, au passage, vous pourriez le rappeler, ça se fait à N plus 2. Donc, à mon avis, c'est donc, on les aura pas. Bon, bien. Il faut les retirer. Et la deuxième chose, l'année dernière, on a voté 100 000 euros pour engager un directeur d'une société de course. Je les ai pas retrouvés. J'ai rien retrouvé cette année. Où est-ce qu'ils sont dans le M57, s'il vous plaît? Où est-ce que vous avez... Dieu, ça a été voté, c'est une décision antérieure pour, effectivement, pour 2022. À la CHML, et ça n'a pas à figurer dans ce budget. Ça a été voté, c'est acté. Donc, ça non, a mais été pour 2022, pas pour 2023. Pour 2022, oui. 22, oui. Et 2023, vous n'avez donc rien prévu? Non. Ah. Mais c'est pas possible. C'est fini. Bon, Madame Lavagne, rapidement, s'il vous plaît, alors, parce que je note en page 11 du rapport que les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 12,2%, alors que l'inflation est à 7%. Donc, c'est-à-dire que du fait de toutes les augmentations que l'on a prévues, alors, écoutez-moi, pour faire tourner la boutique, il faut des moyens. Tout a été calculé au mieux. Je peux vous dire qu'on regarde ça de très précisément. Donc, les recettes sont fonction des dépenses, point barre. Et je voudrais dire à monsieur Ljubovic que quand il parle qu'il y a eu des sous-investissements des recettes de l'année précédente, vous oubliez une chose, ce sont les rôles complémentaires qui nous arrivent en cours d'année. Et que nous ne connaissons pas au moment où nous votons le budget. C'est régulier. Et c'est pour cela qu'il y a parfois des recettes qui sont sous-évaluées, parce qu'il y a des rôles complémentaires qui arrivent. Donc ne mélangez pas tout. Ce budget est parfaitement sincère, à la différence de quelques budgets qu'on a vus au niveau de l'État. Bien, madame, je suis désolé, on vote. Je note toutefois que vous annoncez une décision modificative du budget concernant l'hippodrome après tours de table. Mais non, il n'y a rien sur l'hippodrome pour les raisons que je viens de vous dire. Ça se fera dans un autre cadre. Merci. Alors, qui est contre le budget? Bravo, vous êtes catalogué. Qui s'abstient? Merci. Le reste, s'il vous plaît, votez quand même pour la bonne forme. Et je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour ce débat parfois abscon de la part de l'opposition, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Donc voilà, sur l'espace culturel Malesherbes, donc vous savez qu'on fonctionne par une autorisation de programme sur plusieurs années et crédit de paiement par année. Et donc là, on va modifier simplement pour tenir compte de l'avancement du travaux. Et donc nous avons ce projet donc qui est aujourd'hui estimé à 20,3 millions d'euros TTC avec un vote donc pour 12 millions 13 000 euros sur 2023, 6 millions 4 sur 2024, 25 000 euros sur 2025. C'est de la logique, disons, au vu des dépenses actuelles et de ce qui reste à faire. Voilà. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que cette AP qui était de 18 millions l'an passé est passée à 20,347 et qu'elle risque encore de prendre une certaine envolée. Donc, Madame Lavagne, quand vous dites qu'est-ce que c'est que ces provisions, ça sert à ça, à faire face. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité.
Alors maintenant, la halle du marché avec une nouvelle AP. Là aussi, donc, autorisation de programme crédit de paiement sur 2 ans. Donc, les commerçants du marché subissaient, comme vous l'avez vu en allant sur le marché, des fuites d'eau importantes au niveau toiture, avec des conditions de travail quand même très désagréables, avec des seaux mis pour récupérer l'eau et tout. Donc, on a décidé la réfection de la toiture, qui aura lieu donc sur 2 ans pour 2,3 millions. Et donc, là aussi, sur 2 ans, 1,1 million par an. Voilà. Pas d'objection. Oui, madame. Des questions. Quelles mesures de précaution sont-elles prévues pour éviter une nuisance pour les commerçants et les riverains? Il est évident que l'entreprise agira d'une façon professionnelle et c'est pour ça qu'on fait ça sur 2 ans. Si on n'avait pris aucune précaution, ça aurait été beaucoup plus rapide. Il y aura évidemment une sécurité totale sur le chantier. Nous y veillerons. C'est une priorité absolue. Alors, je voudrais vous dire qu'on ne vous a pas attendu, madame Lavagne. Yann et moi-même, j'ai réuni moi-même les commerçants pour leur expliquer comment ça allait se passer. Et ils sont parfaitement au courant. Merci. Autre question. Certains restent inquiets. Certains commerçants restent inquiets et craignent devant arriver. Mais l'inquiétude est stimulant pour les gens qui agissent. Ouais, attendez, quand ils arriveront à 6h30, 7h matin. Madame, s'il vous plaît, soyez un peu sérieuse. Ça vous arrive, ça vous changera. Merci pour le compliment, monsieur le maire. C'est pas un compliment, c'est un fait, madame. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont inquiets. C'est normal. Eh bien, là, nous allons suivre le chantier au jour le jour. Il est prévu notamment que les jours du marché, il n'y ait pas de travaux et que ça, c'est la raison pour laquelle ça va durer 2 ans. Voilà. Et donc, ça veut dire qui va assurer les nettoyages pour éviter que les commerçants n'aient à le faire le matin en s'installant? On prendra en balai et on nettoiera, n'ayez crainte. Non mais... C'est pas possible. Enfin, c'est pas du niveau du conseil municipal. Soyons concrets. Mais madame, tout est prévu pour que ça se passe bien. Parce que c'est l'intérêt de la ville. C'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien. Alors là, retirez ce que vous venez de dire. Je veux dire, on est tout cela pour l'intérêt général, pour œuvrer pour l'intérêt de la ville. Vous pouvez pas m'accuser de ne pas œuvrer pour l'intérêt de la ville. Ah nous bon pourrons pas avoir toujours le même analyse, la même approche. Madame, vous pouvez pas m'accuser. Je ne voudrais pas vous vexer, mais j'ai pu constater à plusieurs reprises ce soir que l'intérêt de la ville, vous avez un peu de mal à le comprendre. Merci. Alors, vous restez correct, s'il vous plaît. Vous restez correct. Ce n'est pas digne d'un élu de parler de cette manière. Hein. Correct. C'est de l'autocritique pour vous. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision de la ville. Ces attaques sont assez indignes depuis le début, monsieur Millard. Elles vous rendent petit. Vous avez posé des questions qui dénotent que vous ne comprenez pas l'intérêt de la ville. Je suis désolé, notamment sur ces réserves budgétaires. Vous n'avez pas jugé mes questions. Ben oui, ben je juge. C'est les réponses des fois qui peuvent ne pas être bonnes. On est dans un débat démocratique et je vous dis vos vérités. Merci. Alors, qui est contre? Personne? Adopté. Alors maintenant, les subventions, monsieur. Vas-y. Oui, donc les subventions, comme d'habitude, donc on les vote en même temps. Et donc, vous avez la liste des subventions comme tous les ans. Donc, comme je disais tout à l'heure, au même niveau que 2022. Y a-t-il des remarques? Oui, les documents ont été modifiés. Il y a eu un rattrapage ou plus vraiment une correction d'erreur. Pas d'objection, adopté. Alors, et merci à vous tous. Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que là, c'est toujours la même chose. J'entends encore Seguin dire, sur la première partie de la loi de finances pour la hausse éventuelle des impôts, ça gueule comme jamais. Et puis ensuite, quand il s'agit de passer aux dépenses, et notamment en versant des associations, c'est l'unanimité. Monsieur le maire a noté que les augmentations concernant les subventions des associations, finalement, elles baissent puisque vous ne les augmentez pas au prorata de l'inflation. Alors, madame, sur ce point précis, tout a fait l'objet de négociations avec les associations et nous avons parfois maintenu, parfois réduit en fonction de ce qu'elles ont en réserve. Sachez qu'elles n'ont pas de problème majeur. Merci. Avec votre sens légendaire de la négociation. Merci, on passe, ça a été voté. Alors maintenant, l'association syndicale du parc, vas-y. Oui, donc c'est comme tous les ans, donc effectivement au niveau subvention de voirie et d'embellissement, avec donc le taux de subvention de 80% des dépenses.
Et donc, on a une liste de travaux de voirie prévisionnelle. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est de savoir en fin d'exercice celles qui sont réalisées et les montants. Ce serait intéressant au passage. Je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Et je ne les ai pas trouvées quand je les ai cherchées. Alors qu'effectivement, on le met dans les sous réserve de la présentation des factures. Et donc, pour effectivement une subvention voirie de 172 000 euros et une subvention d'embellissement de 80 000 euros pour un total de 252 000 euros. Voilà. Remarque. Oui, Madame Singer. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'assemblée. Vous avez trop l'habitude de couper les micros, hein, vous pouvez plus vous en empêcher. Oh, bah écoutez. Donc, lors de l'assemblée générale du parc que vous évoquiez tout à l'heure, quand je parlais des conseils de quartier, ce qui n'avait rien à voir, mais bon, passons. Donc, lors de l'assemblée générale du parc, il y a eu quelques remarques qui ont fusé sur le fait que cette fameuse subvention de 172 000 euros, elle était restée invariée depuis, je crois, une vingtaine d'années. Mais vous n'avez pas vraiment répondu sur votre volonté d'abonder un petit peu plus ou quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer ce soir ? Eh bien, vous le verrez au budget prochain. Je vais vous dire une chose, parce que, attention, il ne faut pas se tromper. C'est vrai que lorsque c'est moi qui ai proposé à l'époque, notamment au président du parc, de prendre jusqu'à 80% de cette somme. Et à l'époque, très clairement, je dis on pourrait peut-être aller jusqu'à 100%. Il m'a dit non, parce que effectivement, c'est de la compétence et de l'obligation en fonction du statut de l'ASP de s'occuper de son patrimoine. Et ça, c'est son patrimoine. Ce qui signifie pas, effectivement, qu'on puisse pas verser une subvention, mais normalement, c'est du patrimoine de l'ASP d'entretenir ses voies. Mais, comme ces voies sont ouvertes à la circulation publique, il n'est pas, je dirais, incohérent d'apporter une aide. Donc, j'ai dit au président, je peux vous le dire, et nous verrons ça, qu'on va regarder ça de près. Voilà ce que je peux vous dire. Qui est contre ? Madame Théron, pardon. Et je salue effectivement cette entrée en négociation avec l'ASP sur cette subvention, parce qu'effectivement, je rejoins ce que disait Madame Singer, ça fait environ ou plus de 20 ans qu'elle n'a pas bougé. A priori, d'après ce que j'ai compris, ça représentait 22% du budget de l'ASP il y a quelques années, c'est aujourd'hui 12%. Et on constate en parallèle l'augmentation du trafic, notamment routier dans le parc. On l'a vu aussi après le déconfinement, énormément de gens profitent du parc, des mansoniens ou des gens d'ailleurs. Et il est important, je trouve, de pouvoir aider l'ASP à permettre cette fréquentation publique du parc dans des conditions raisonnables, parce qu'effectivement tout est vieillissant, ça coûte cher pour eux aussi, et l'augmentation de cette subvention, à mon avis, est vitale. Alors, je vais vous dire une chose, il y a une seule collectivité territoriale, c'est la ville de Maisons-Laffitte, point barre. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui étais à l'origine pour cette chose, que l'on réévalue, je vais aller plus loin, ils ont des difficultés sur les caves du Nord, et on va regarder ce qu'on peut faire. Parce que là encore, sur les caves du Nord, les coûts, ce qui prouve bien que les coûts se sont envolés, puisque je crois qu'ils sont passés de 700 000 euros à 1,4 million. Donc ça a doublé pour la réfection des caves du Nord. Donc vous voyez, et donc il faut qu'on regarde ça, et nous avons toujours été solidaires de l'ASP, au-delà de tout ce qui s'est passé, et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit au président. Voilà. Alors qui est contre ? Personne. Merci. Adopté. Alors, la fixation des taux vient... Excusez-moi. Pardon, c'est laquelle maintenant ? Alors, justement, il y a les caves du Nord. Alors, sur les caves du Nord, effectivement, c'est ce que j'avais promis au président depuis longtemps. Donc, je vous propose de lever et de verser 14 621 euros, étant entendu qu'on regardera ça en 2024 à nouveau. Pas d'objection, adoptée. Alors, la fiscalité locale, je pense que ça va être... On s'en a longuement parlé. Donc, c'est 2 points, et pas 2%. Et je mets aux voix, parce qu'on l'a beaucoup dit. Donc, qui est contre ? Voilà, merci. Qui s'abstient ? Parfait. Attendez, Madame Théron, vous avez voté contre, là ? Oui ? Vous êtes abstenue sur le budget, je ne sais pas combien.
Oui, mais je crois qu'on n'a pas d'explication à avoir ensemble. Mais oui, tout à fait. J'ai voté contre l'augmentation de la taxe foncière de 2 points pour les raisons que je vous ai indiquées. Je m'abstiens sur le budget parce qu'il y a une globalité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a pris quand même beaucoup d'heures à vos services de préparer le budget de l'année 2023. D'accord, donc là, on compare une goutte d'eau à un vaste travail. C'est pas la même chose. Non. Tout est dans la nuance. C'est la nécessité de maintenir les moyens pour justement servir les Mancuniens en dépit de la suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Donc, même vote. Voilà. Donc, merci. Emilovitch a voté contre ? Oui. Mais c'est normal. D'accord. Mais c'est normal de ta part. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut bien que vous existiez au Parti Socialiste. Non. Bien, allez, on poursuit. Alors, la fiscalité SFR, je poursuis parce que il y a quand même maintenant un certain nombre de points. Alors, le budget primitif, gestion, assainissement, on va les prendre, je vais les faire voter parce qu'il y a... On peut les faire voter peut-être en bloc, quasiment. Oui. Alors, le point 14, le point 15, le point 16, qui sont en interface de l'aglo, le point 17 et le point 18. Y a-t-il des objections? Il n'y en a pas, donc on les vote. Parfait, à l'unanimité. Si je l'ai fait en bloc, c'est qu'en réalité, on peut pratiquement, c'est maintenant en interface avec l'aglo. Alors, maintenant, on en vient effectivement à l'opération d'acquisition en VFA pour la réalisation de logements sociaux au point 19. Tu le présentes ? Oui, allez, c'est donc, allez, vas-y. Mets ton micro. Excusez-moi. Il s'agit de faire l'acquisition du programme Pitch qui se situe rue de la Muette et donc de récupérer à travers ça notre surcharge. Et je vous propose donc de pouvoir en faire l'acquisition alors, par la SEM. Hein, alors, problème, je vais sortir parce que sinon, en tant que président de la SEM, Brigitte, tu attends, je sors, s'il te plaît. On va passer au vote, s'il vous plaît. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention pour surcharge foncière d'un montant de 1 373 000 euros au profit de la SAEM pour l'acquisition de ces logements locatifs au niveau de la rue de la Muette. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Je vous remercie. Ah, pardon, c'est la... oui, bah c'est la... Voilà. Opération VFA pour la réalisation de logements. Ben oui, c'est rue de la Muette. Oui, c'est l'avenue de Longueuil, oui, excuse-moi. Bien, alors maintenant, j'en viens avec les conventions d'objectifs. Alors, il y en a 20, 21, 22, en chiffre romain, 23, et... Eh bien, ce sera... Et 24. Alors, je propose à Yann et peut-être à Philippe Rouzet de les présenter rapidement. C'est la même économie. Voilà, ça concerne les associations qui vont toucher une subvention supérieure à 23 000 euros. Donc, on se doit d'établir une convention entre ces associations et la ville. Et ces conventions ont pour objet de fixer les conditions d'utilisation de ces subventions. Donc c'est à peu près la même chose pour tout le monde. On leur demande de mettre en valeur la ville de Maisons-Laffitte, de porter le logo de Maisons-Laffitte, de suivre une certaine discipline dans l'éducation des enfants, etc. Après, il y a quelque chose d'un peu plus spécifique pour le rugby. On leur demande de nous donner un coup de main à l'école des sports pour promouvoir le rugby pour les enfants. L'USML, je laisserai Charles-Philippe en parler.
Et pour les athlètes, on leur demande d'organiser avec soin ce qu'ils font très bien, les 10 km, la course des 10 km qui a lieu en octobre. Voilà. C'est classique, on l'a fait à chaque fois, on doit être obligé de le faire, puisque en contrepartie, ils nous rendent des comptes, et c'est tout à fait légitime. Tout c'est pareil l'adopter, merci. Ouais, pour l'USML, tout pareil, ouais, et c'est même formalisme pour l'USML, donc pas de différence particulière. Voilà. D'accord, merci cher Philippe. Alors, donc on a adopté ces 5 points. J'en viens maintenant à Anne Bailly avec le point 25 sur l'école des sports. Oui, merci Monsieur le Maire. Donc, il vous est demandé d'approuver la nouvelle grille tarifaire de l'école des sports qui a été partagée avec vous. Cette grille tarifaire donc, comporte une augmentation de 3,5% par rapport à l'année dernière, sachant que l'école des sports, comme vous le savez, a plutôt un bon succès puisqu'on a ouvert 229 places cette année par rapport à 158 l'année dernière. Des remarques, il n'y en a pas adopté. Non. Oui, merci. Ainsi que nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous ne comprenons pas la logique qui consiste à tout augmenter, les tarifs, les impôts. Bon, on ne revient pas sur le débat, donc nous votons contre. Je dis, nous votons contre. Si vous ne donnez pas des moyens, effectivement, au service public de tourner, ensuite vous aurez des gens qui vous diront comment se fait-il que... Merci. Madame Théron. Une question ? Je reviens sur ma question initiale lors du conseil, le CHML. Je vois qu'il y a des activités équestres qui occupent 30 enfants au sein de l'école des sports et cette activité équestre est réalisée au sein de l'écurie Napoléon. Voilà, tout simplement de se dire que si la ville poursuit son activité au travers du CHML, peut-être qu'il serait intéressant que l'école des sports puisse y trouver une activité au lieu d'utiliser l'écurie Napoléon. Le problème, c'est qu'actuellement, au CHML, c'est les chevaux, et que pour les enfants, c'est plus compliqué. Mais on y réfléchira pour l'avenir, parce qu'à mon avis, il va falloir faire évoluer un certain nombre de choses. Non pas l'école des sports. Anne Bailly, tu veux rajouter quelque chose? Non? Bien. Alors, les contre, levez la main. Les contre, levez la main. Ah ben, dis donc. Ah, il faut suivre, hein, mais vous avez un coup de tabac, là, ou quoi? Bon, merci, c'est voté, merci. Et abstention, vous ne demandez pas? Abstention, il peut y en avoir une, oui. C'est vous, d'accord. Vous savez, les abstentionnistes ont tort. Bref. Bien, alors, maintenant, les locations, oui, séjour d'été, des fixations... C'est encore moi. L'aquatique, oui, alors l'aquatique. Anne Bailly, vas-y. C'est encore moi, oui. Vas-y. Il vous est proposé également une augmentation sur l'ensemble des tarifs de la piscine, à l'exception des tarifs de l'entrée unitaire à la piscine, des cartes 10 séances d'activité, des forfaits mensuels du tarif de location de ligne et des frais d'adhésion, une augmentation de 4,5%. Et par ailleurs, il est prévu la possibilité de mettre en œuvre des actions de promotion de l'établissement de manière ponctuelle. Et à cet effet, nous vous demandons de bien vouloir valider les nouvelles conditions générales de vente auxquelles nous avons fait quelques petites mises à jour. Même punition ? Allez-y. Ça mérite une petite remarque parce que celle-là, c'est la pire de toutes. Parce qu'en fait, vous avez déjà augmenté de 4,5% en décembre, me semble, et vous augmentez encore. Donc là, c'est double peine. En matière de double peine, je pourrais vous en dire en ce qui vous concerne. Mais ce qui est clair... Vous allez un petit peu plus loin, ça intéresse tout le monde, là. S'il vous plaît. En matière de double peine, ça frôle la diffamation, ça. En matière de double peine, je pourrais vous en dire sur votre compte. Bien évidemment, essayez donc. voilà. Bien. Je souhaite simplement vous dire... Ça vient enregistrer, s'il vous plaît. La piscine est effectivement l'équipement qui coûte le plus cher à la ville. Et c'est vrai que nous sommes en dessous encore de l'envolée des coûts en ce qui concerne la piscine par rapport à ce que nous faisons. Nous avons choisi, notamment l'an passé, d'augmenter pour maintenir le chauffage des bassins à la demande d'ailleurs de Brigitte Boiron qui estimait que baisser la température était préjudiciable pour les enfants.
nous avons accepté. Mais l'inflation se poursuit. Ça ne vous a pas échappé. Madame Théron. Une remarque également, on augmente les tarifs, mais à un moment, vous verrez que ça aura un effet sur la fréquentation. Quand les gens ne pourront plus ou considéreront que c'est une activité dont ils peuvent se passer, puisqu'ils ont besoin aussi d'avoir un budget équilibré, eh ben vous verrez que malheureusement, cette augmentation tarifaire aura un effet sur la fréquentation qui sera à la baisse. Et finalement, je ne pense pas que le budget de la ville en sera grand gagnant. Donc, je vous compte. Avez tort, parce que la fréquentation à Anne ne baisse pas. C'est ça? Mets le micro. La fréquentation... Non, pas du tout. La fréquentation n'a pas baissé, non. L'élasticité des prix, si c'était 30% d'un coup, vous auriez sans doute raison. Mais les augmentations que l'on donne ici, entre 3,5 et 4, selon les tarifs arrondis, c'est parfaitement gérable, heureusement. On verra. On verra pour 2023. Oui, on en parlait avec ma voisine, l'espace Sona Hammam, vous pensez le réouvrir un moment. Et il y a certaines personnes qui ont pris des cartes d'abonnement et qui n'ont pas été remboursées de cela et qui s'en plaignent. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé au conseil municipal. Est-ce que c'est possible de communiquer dessus en disant que le remboursement est possible par rapport à ça? Alors, le problème, il est simple. C'est qu'on est en train de regarder ça. Effectivement... Il y a quelques amis qui m'ont dit « vous pourrez rouvrir un sauna ». Dès qu'on peut le faire, on le fera. Mais pour l'instant, les saunas dévorent de l'électricité. Et donc, le problème, il est là. C'est pas autre chose. Mais de toute façon, je vais vous dire, on suit ça quasiment au jour le jour avec Anne Bailly et Yann Queneau. Et donc, on verra ça en temps et en heure. Mais bien évidemment, en ce qui concerne les remboursements, je crois qu'on a pris une règle de rembourser. Oui, vous remarquerez que les tarifs du sauna et de la MAM sont restés au tarif 2023-2024. C'est bien parce qu'on a l'intention de les rouvrir. On a une procédure en place. Bien sûr, je comprends parfaitement parce que tout le monde dit, mais le problème, c'est que la réalité, n'est-ce pas, rattrape les désirs des uns et des autres. Alors, pas d'objection, adopté. Oui, vous votez contre, c'est pas grave. Une objection, c'est un vote. On dira que si jamais on ferme la piscine, ça sera de votre faute. Bien. Voilà, il faut bien mettre un peu de piment dans le débat. Alors, maintenant, séjour d'été, Madame Boiron. Oui, vous avez noté le changement de tarif. C'est suite à notre visite à Bar-sur-Seine pour visiter le centre. Nous avions prévu un séjour plus long, avec des dates du 10 au 21 juillet. Ce qu'ils nous proposaient comme hébergement n'était pas bon. Donc, nous avons préféré réduire le séjour à 7 jours, changer les dates du 21 au 27 juillet et choisir vraiment Bar-sur-Seine parce que c'est un super... Le domaine est vraiment très joli. Donc, vous avez, du coup, on a recalculé effectivement le prix qu'on va demander aux parents. Vous avez pour les quotients halles 274 € et pour les extérieurs 685 €, qui est le coût réel du séjour pour les parents. Pas d'objection. Oui, monsieur Lemervit, vous voulez partir en vacances? Ça ira, je commence à être un peu grand pour aller au séjour d'été. C'était juste est-ce que vous pourriez nous repréciser, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment toujours sur la délib, les tranches qui sont posées sur les quotients. Enfin, qu'est-ce que le quotient A, B, C, D? Enfin, c'est si vous le savez, si vous l'avez pas. Non, là je l'ai pas, je l'ai pas de tête. Il y a pas de souci. Non, personne. Et deuxième question. Il y a pas de souci. Deuxième question. Enfin, sinon, je pourrais le retrouver dans des archives très certainement. Est-ce qu'il y a aussi une étude vu qu'on a fait évoluer, d'autres tarifs à caution pour, de faire évoluer ce type de caution aussi pour le rendre plus progressif. On est en train de travailler sur les tarifs du périscolaire et de l'extrascolaire pour le ramener comme la restauration scolaire. À la participation des parents au taux réel, je dirais, de ce qu'ils gagnent. En revanche, ça sera peut-être dans un autre temps, mais pas tout de suite. OK. Alors, pas d'objection, adopté. Alors, location de salle, Madame Vivien. Donc là, on suit, alors, point 18. Et allez-y.
prendre les quatre points d'affilée. Le 28, le 29, le 30 et le 31, où il s'agit d'augmenter les tarifs de 4%, et ça concerne l'allocation des salles culturelles, les tarifs de la bibliothèque, les tarifs du conservatoire et une petite augmentation sur les tarifs des spectacles. À savoir qu'on demande aussi de l'appliquer en ce qui concerne le conservatoire, que ce soit appliqué au 19 juin 23, alors que les autres tarifs seront appliqués à partir du 1er juillet 23. Bien. Alors, l'augmentation, il ne s'agit pas d'augmentation aux associations, hein. C'est la location des salles pour, je dirais, soit des entreprises, soit... voilà. Et donc, de ce côté-là, soit des gens qui viennent faire une nouba à Maison Lafitte de manière plus particulière. Pardon ? C'est pas ça. Mais si, c'est ça. Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est la grille tarifaire, le centre Montessieu, l'ancienne église, etc., avec la mise à disposition, effectivement, de l'agent. Donc, c'est pas du tout ça. Mais, madame, quand quelqu'un demande, par exemple, l'ancienne église pour y faire une réunion... C'est moi qui l'ai mis en place, ce truc-là. Je sais de quoi je parle, quand même. Et si, ça touche... C'est pas pour les extérieurs. Et on l'applique. Je l'ai appliqué à plusieurs personnes. Et donc, c'est effectivement la location extraordinaire. Mais c'est pas la location, notamment, pour les associations. Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais oui, regardez, moitié du coût supporté par la ville sur la base, c'est ce qui a été mis en place. Les associations qui demandent... Écoutez, je suis en total désaccord avec vous, donc on fait voter. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Bien, bravo. Persevere diabolicum. Et donc, l'affaire est entendue sur le point premier. Bien. Alors, maintenant, pour la bibliothèque, y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Pour le conservatoire, la modification des tarifs, y a-t-il des remarques ? Non. Alors, maintenant, les spectacles, Madame Vivien. Non, c'était des observations, des remarques. Aucun vote. Reprenez la vidéo, vous verrez. Hein. Donc, on met au vote. Et oui, Madame Théron, il n'y a pas plus de raison d'avoir la vidéo. J'ai fait voter pour la bibliothèque, mais bien sûr, vous dormiez. Non. C'est ça ? Voilà. J'ai la précision des mots. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur la bibliothèque ? Rien ? On passe au vote pour tout ça. Mais non, je suis désolé, on a fait voter. Avez-vous un commentaire à faire ? Non, vous n'avez pas fait voter. Bon, majorité n'a pas levé la main non plus. C'est votre incident de séance, regardez la vidéo. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ça a été voté, c'est voté. Alors, les spectacles, un instant, s'il vous plaît. Le sinon, spectacle, on va le faire, point 20, hein. 31. Y a-t-il des... Madame Vivien, exposé. C'est toujours pareil, c'est une hausse de 4% sur les tarifs des spectacles. Spectacle, avez-vous des commentaires ? On vote quoi ? Le point 31. Et les points d'avant qui n'ont pas été votés ? On l'a fait voter. Non, on les a pas votés. Désolé, on les a pas votés, monsieur. Il y a un moment, ça suffit. Il faut à chaque fois faire voter. Ça vous coûte quoi de le faire ? On est sérieux. Faites-le de façon méthodique, s'il vous plaît. Venant de votre part, j'en suis sûr. Voilà, j'ai appelé la bibliothèque et j'ai appelé le conservatoire. Pour des observations. Et à ce moment-là, vous n'avez pas bougé. Des observations, des remarques. Parce que ça n'est pas. Alors, qui est contre la modification des tarifs à la bibliothèque ? Voilà. Okay. Voilà, ben comme ça c'est clair. Vote. Bien, ça vous sentez mieux, hein ? Ouais, ça doit être ça. Bon, ensuite, le conservatoire, il n'y a pas de problème ? Contre l'augmentation tarifaire, oui. Non, mais c'est complètement dingo. Et on fait tourner le conservatoire comment ? Vous pouvez me l'expliquer lorsque les professeurs demandent des augmentations ? On n'est pas en train de dire qu'il y a des zéro recettes. Avec les dizaines de millions d'euros qui sont dans les caisses. C'est à l'unanimité. Proposer une augmentation, vous dites ? Nous, on est contre. Alors contre. Maintenant, les spectacles. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans ? Contre. Contre quoi ? Pas contre les spectacles, contre l'augmentation. C'est l'augmentation des spectacles. Vous voulez pas augmenter ? Oui, alors là, vous êtes vraiment, c'est le summum, hein. Parce que je peux vous dire que les spectacles, les artistes, eux, ils baissent pas leurs tarifs, hein. Bien. Donc vous êtes contre ? Oui. Oui. Levez la main. On a déjà voté. Très bien. Eh ben, je vais vous dire bravo. Comme ça, vous trouverez des spectacles quand ils disent non, on ne veut pas venir si vous ne nous augmentez pas. Bravo, félicitations. Alors maintenant,
On va passer, on va passer au pôle santé, au point 32. Monsieur. Oui, juste profiter de cette délibération pour rappeler quelques petits points. Donc, j'avais pu lire dans certains documents d'une opposition qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet. Pour rappel, j'en ai parlé au Conseil de septembre, j'en ai à nouveau parlé au Conseil de décembre, et effectivement, notamment pour expliquer qu'il y avait un petit retard du fait de pollution vue sur le terrain, et donc d'un petit retard à ce niveau. Donc, j'en profite en même temps pour vous redire donc sur ce projet, parce que j'ai pu lire des choses qui n'ont pas tellement de sens, donc je préfère le dire le plus clairement. Donc, dans ce dossier, donc, comme vous le savez, il y a eu un appel d'offres de la part de la mairie, avec un certain nombre de réponses qui ont été reçues, et finalement, donc, le succès pour deux des concurrents qui se sont rassemblés, de Mathieu Hébard Immobilier et Acapas. Acapas étant les Jardins d'Arcadie qui ont déjà une résidence senior en face de l'autre côté de la passerelle. Bien, donc il s'agit d'un projet qui est articulé autour essentiellement d'un pôle de santé, donc d'environ 700 mètres carrés. Donc j'ai dit à un moment que c'était un petit peu novateur, et quelqu'un a repris en disant novateur, c'est de l'aventurisme. Bon, je ne vois pas en quoi, puisque soit on prend les vieilles recettes qui ne marchent pas, comme les bâtiments que l'on fait et les médecins qu'on ne trouve pas ou qui partent au bout de 2 ans, soit on passe par, justement, à mon avis, cette société. Les premières livraisons ont eu lieu, donc maintenant les premiers centres sont ouverts. Il y en a maintenant une quarantaine qui sont en cours de construction, de travaux plus ou moins avancés, et il y en a déjà plusieurs dans la région. Et donc, il ne s'agit pas de médecins qui seront à trouver. C'est une société qui, contrairement à ce que j'ai pu lire aussi, est extrêmement solide, puisqu'elle est détenue à plus de 50% par la Caisse des dépôts. Et je regrette, mais si on trouve que la Caisse des dépôts, c'est de l'aventurisme, je dirais, je ne vois pas trop avec qui travailler si ce n'est pas avec eux. Donc, c'est du très solide. C'est l'État qui veut aussi résorber le problème du désert médical. Donc, là, c'est plutôt quelque chose, je trouve, d'assez positif comme démarche. Et c'est une démarche donc d'ensemble dans laquelle nous inscrivons. Et il y aura donc des médecins par des mutualisations entre différents centres avec la même marque. Donc il y a également ce que je vous avais dit, à savoir des services d'urgence, donc 6 jours sur 7. Donc ça me semble pas mal, et notamment entre 20h et 22h, sans rendez-vous. C'est déjà en fonctionnement dans plusieurs communes, et ça marche. Et il y a les médecins, parce qu'ils marchent par ils ont leur réseau également, et donc ils sont évidemment bien plus efficaces dans cette société que par des villes qui le feraient d'une façon solitaire. Voilà. Donc voilà pour le pôle de santé. Également donc une résidence senior, un ajout. Donc c'est la résidence Jardin d'Arcadie, c'est un complément à leur résidence actuelle. Et également du co-living senior. Alors là, effectivement, je disais que c'était un peu novateur, ce qui est le cas, hein, puisque c'est l'autre conception, c'est-à-dire que ce sont des seniors qui sont réunis ensemble. C'est du co-living, donc, qui fonctionne de mieux en mieux maintenant. On a intéressé une société en cela. Donc il y a la résidence senior classique, je dirais, assez individuelle, avec service, et le co-living senior avec aussi service. Voilà. Donc, et également, il y aura aussi une réalisation du parking qui sera redonné à la ville, avec exactement le même nombre de places que le parking existant, 132 places, avec aussi des places correspondant aux besoins des occupants du site, et avec également 24 emplacements pour les camionnettes du marché qui seront donc qui en obtiendront un usage facilité. Il y a déjà eu donc des réunions, le maire en faisait état, avec les commerçants. On a eu également plusieurs réunions avec Yann Queneau aussi. Et je dirais que là-dessus, on est dans un début de concertation, parce qu'il y a un petit peu de temps encore, de toutes les façons, pour aller plus loin. On sera demandeur d'idées aussi. On a des idées, on en a déjà soumises. Et bien évidemment, on se doute que les commerçants du marché seront inquiets. Comme le disait Jacquemart, c'est légitime. Mais soit on ne fait rien, soit on fait quelque chose. Et nous pensons qu'il faut faire quelque chose. On prendra le plus de précautions possibles. On leur a déjà dit, et ils ont déjà été fortement rassurés par le fait qu'on s'est assuré aussi à ce qu'il n'y ait évidemment pas de travaux en face les jours de marché. Donc c'est une complication pour les travaux, évidemment, mais les chiffrages en tiennent compte. Et donc il y aura l'élément qui me semble aussi très important, c'est qu'on sera propriétaire du parking. Donc on fera ce qu'on veut aussi au niveau des gratuités du parking, et pendant les travaux, bien entendu, des gratuités dans tout le secteur. Mais ça, c'est trop tôt pour en parler maintenant, puisqu'on est encore un petit peu loin de ce moment, mais on y a réfléchi, et surtout, on leur a demandé aussi des idées. Tout le monde doit en avoir, et on a déjà engagé le dialogue, et on le poursuivra.
Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est pour un détachement de parcelle qui le permet, et donc une signature de promesse de vente sous conditions suspensives. Les conditions suspensives étant l'obtention de la délibération du conseil municipal pour prononcer le déclassement par anticipation de l'emprise au sol, sachant quand même que, comme précision, ça déplaira peut-être au tenant d'Olivier Klein et du ministre du Logement, donc on ne construit pas au maximum de la densité, puisqu'on garde une emprise au sol d'environ 700 mètres carrés qu'on aurait pu construire, et on a, par rapport aux hauteurs permises dans le PLU, environ 1500 m² de plus qu'on aurait pu construire, on ne le fait pas. Et ça nous permet de dégager un bel espace vert à l'arrière, où on pourra faire un espace de jeu pour enfants, juste à côté du co-living senior, et ça permettra aux parents, pendant le marché par exemple, d'être assez sereins avec leurs enfants en bout de parcelle, sachant qu'au début de la parcelle, il y aura également un espace aéré avec une fontaine, sachant également que, bien entendu, on fera un passage arboré qui desservira les différents éléments de l'ensemble. Voilà. Donc, l'obtention de la délib, qui est définitive, la validation donc d'un permis de construire aussi devenu définitif, et la signature de la VEFA pour le parking de stationnement donc qui nous revient. Voilà. Donc, c'était cela qu'il vous est demandé d'approuver dans cette délibération. Bien. Alors, comme je sais, ne levez pas tout de suite la main, madame. Je doute bien que vous allez causer. Donc, vous voulez la parole, madame Lavagne, vous l'avez. Alors, quand je lève, vous demandez qu'on lève la main pour avoir la parole. Donc Non, mais vous avez. Non, c'était juste une petite. Vous avez levé la main avant même que je décide de vous donner la parole. Donc, n'ayez crainte, je sais que vous allez parler. Allez-y. En plus, monsieur le maire, j'allais commencer par des compliments. Par quoi? Des compliments. Par quoi? Mais vous savez, c'est peut-être la Pentecôte qui arrive. Vous avez les lumières qui éclairent. Pour un laïc, athéiste, vos propos m'étonnent. Alors, il faut attendre presque 50 jours encore. Hein. Alors, bon. Alors, certes, ce n'est plus des bureaux. Certes, le projet que vous prévoyez, ce n'est plus des bureaux. Certes, la parcelle n'aura pas une emprise totale. Donc, en ça, c'est mieux. Mais, certes, la destination, c'est à vocation, normalement, si ça réussit bien, médicale, et pour l'accueil de seniors. Donc, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Non, mais voilà, je veux dire, ce que je veux, c'est quoi? Donc, je veux dire, l'idée, c'est pas d'être contre pour être contre. Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir mené une analyse sur le projet, de se dire, est-ce que finalement, ce projet n'est pas en effet mieux que le précédent? Et est-ce qu'en effet, on ne pourrait pas se dire oui, ça vaut peut-être le coup? Alors, sauf que la parcelle, on est d'accord, a fait 5000 m² la parcelle. 4400. Donc, 4100. Donc, quand vous dites qu'on ne va pas tout urbaniser, que vous laissez 700 mètres, c'est à ramener à la surface de la parcelle. Donc. C'est simplement de vous dire que par rapport à ce que l'on a pris comme emprise au sol pour le bâtiment, on aurait pu faire 700 m² de plus. Mais même dans le cas où on aurait fait les 700 m² de plus, il y aurait eu encore un petit peu d'espace. Donc le chiffre n'est pas exactement comparable. D'accord. Voilà. Il n'y a pas la densification optimale ou maximale. D'accord. Et il reste également un vide à côté. Alors, il y a des propos qui m'étonnent quand vous dites le parking est redonné. Non, le parking va être racheté par la ville. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que, à cet état de la discussion, c'est que l'on vend la parcelle au prix le plus bas, mais qu'on rachète le parking à un prix élevé. Donc déjà, là, ça m'interroge sur le montage financier. Et autre sujet, on est tout à fait d'accord sur l'objectif d'attirer des médecins. Ça, tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'une maison de santé privée est le meilleur
levier pour attirer des médecins. Ce qui a été dit en commission des finances, c'est que il y avait un engagement par rapport à une durée de 3 ans pour cette maison de santé, mais ensuite, si elle n'est pas remplie, vu que c'est une propriété privée, elle pourrait avoir un autre usage. Ce que j'aimerais attirer votre attention aussi, c'est que ce projet, à part le parking donc qui est privé, finalement est très proche de ce qui a remplacé le pavillon Adèle. Et le pavillon Adèle, pour les hébergements seniors, il n'est qu'à 10% occupé actuellement. Dans une résidence senior... Une résidence senior, il faut savoir qu'un senior, quand il arrive dans une résidence, il fait 8 visites au total. C'est la moyenne, 8 visites avec les différentes personnes de la famille. C'est le dernier choix du senior, la résidence senior service. Ensuite, c'est l'EHPAD. Ensuite, c'est la mort. Donc, je dirais quelque part, c'est... C'est un peu brutal. Mais il y a donc 8 visites, ce qui fait que c'est long. Et donc, qu'il y ait au départ 10% après quelques semaines d'ouverture, c'est normal. On considère qu'une résidence qui marche bien est remplie au bout de 2 ans et demi. C'est la moyenne. Moi, c'est mon job. Donc, je dirais que ça en fait partie. Donc, je dirais que c'est assez habituel et c'est normal. Déjà, 10%, c'est plutôt bien avec si peu de temps. Donc, ça fait partie de la matière. Il y a 8 visites en moyenne. 8 visites, il faut les coordonner, il faut qu'ils viennent avec quelqu'un de la famille, avec un enfant et tout ça. Donc c'est compliqué, c'est un choix important. 86 appartements. Et il y a 86 appartements, effectivement. Donc ça, il faut imaginer ça. Le deuxième point, c'est que, comme je vous l'ai dit pour le pôle médical, SAGEO, c'est la Caisse des dépôts, ça a été organisé justement pour résoudre les problèmes de déserts médicaux, et il n'y a pas plus solide. Donc, si on faisait quelque chose par ailleurs, enfin pour moi, tout ce qui est les maisons que vous avez pu voir fleurir, vous nous donniez en exemple à un moment une qui était en construction sur la route de Paris. C'est très bien, mais au bout de très peu de temps, vous avez essentiellement du paramédical, quelques médecins qui partent au bout de 2 ans, et ça a beaucoup de bonne volonté de la part des villes qui l'ont fait, hein, je les attaque pas, mais ça fonctionne pas. Alors que là, avec une mutualisation, avec une société qui s'engage, et il faut savoir que le propriétaire de SAGEO cessera la Caisse des dépôts, une structure de la Caisse des dépôts, qui n'a le droit d'investir qu'en pôle de santé. Ils n'ont pas le droit de transformer ce pôle de santé. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental. Là, on joue vraiment, non pas l'aventurisme, mais la sécurité. Donc, si ça ne marche pas, je vois ce qui pourra marcher. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Parce que vous avez dit, un, la vente, merci Sandrine, la vente est faite conformément aux estimations des domaines qui ont été confirmées et qui sont valides. Vous les avez. Le rachat en VFA, conformément à la jurisprudence qui a évolué, a été fait également au prix coûtant, c'est-à-dire, et la ville se retrouve propriétaire de 32 places de parking, alors qu'au total, il y en a 184, puisqu'il y a d'autres parkings pour les entreprises qui vont habiter les lieux. Et donc, tout cela est conforme. La surprise que nous avons eue, parce que pour moi, ça a été une surprise, c'est que les frais de dépollution du terrain qui a été pollué vraisemblablement dès la construction de la voie ferrée qui est derrière moi, en 1845, dans ces eaux-là. Et qu'on a retrouvé donc par sondage, par des gens, au début moi j'étais un peu sceptique, et en réalité on a retrouvé effectivement des métaux qui sont en dessous et qu'il faut, et il y en a pour 700 000 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, oui je vais vous passer la parole monsieur Lovitch. Et donc c'est ce système-là, et en définitive on récupère effectivement pour 3,4 millions un parking, et le coût que l'on vend, on est à 7,9. Donc, en réalité, c'est 3,9 hein, plutôt les parkings. Oui. 3,9, c'est-à-dire qu'il reste pour la ville 2 millions d'euros. Voilà, avec une opération qui, comme ça vient d'être dit, va nous permettre d'avoir un pôle santé. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, madame, il n'était pas... Si nous avions terminé l'ancien projet, et bien évidemment qu'on n'aurait pas fait des bureaux, on l'aurait transformé, on aurait déposé un permis modificatif pour aller dans ce sens, puisque ça remonte
c'était en parallèle depuis au moins 2 ans avant la terminaison de l'autre, je peux vous le dire. Donc, de ce côté-là, on avait déjà commencé le travail, parce que pour monter ça, ça a pris un temps. Deuxièmement, en ce qui concerne Adèle, Adèle décolle petit à petit, et il y a déjà des médecins qui y sont. Alors, de toute façon, comme l'a rappelé à juste titre sur le pôle santé de 700 m² qui est là, il y a des gens sérieux qui arrivent et qui sont garantis par la Caisse des dépôts. Donc, on n'a pas vraiment de problème à ce titre. Autre remarque. Attendez, Monsieur Lubalevitch, vous ne vouliez pas parler ? Si, allez-y, si, si. Allez-y. Si, si, j'attendais que vous ayez terminé. Allez-y. C'était, enfin, pour continuer un peu sur ce qui vient d'être dit, enfin, déjà revenons, votre discours sur la destination de bureau n'était pas exactement la même quand il y avait justement le recours qui était présent, où vous assuriez que c'était déjà, y avait déjà des personnes pour être dedans, ce genre de choses. Donc c'est vrai que le fait qu'on aurait changé la destination du bureau en pôle de santé, j'y crois moyen. Déjà première chose. Ensuite, enfin, sur la question de l'achat et de la vente, ma collègue Anne Lavagne, enfin, relève quand même quelque chose qui est réel. Quand on regarde l'estimation des domaines est en prix moyen pour la vente à 7 millions d'euros, plus ou moins 10%, on a fait moins 10% pour la vente. On se retrouve avec les 5,9 millions d'euros. Pour le prix d'achat du parking, le prix moyen s'est marqué, enfin on a tous eu les mêmes papiers, c'est marqué 3,5, plus ou moins 15%. On a fait quoi ? On a fait plus 15% pour l'achat du parking. Donc en fait, enfin c'est une réalité là-dessus, on revend 1 million moins cher que ce que les domaines nous proposent en moyenne, et on rachète 1 million plus cher que ce que les domaines nous proposent en moyenne. Donc au final, certes, on gagne 2 millions sur le montage, mais on aurait pu, quand on regarde les prix moyens qui nous sont posés dans les documents qui nous ont été fournis, en avoir 4. Donc il y a quand même un point là-dessus qui est présent. Ensuite, d'un point de vue architectural, c'est bien en effet qu'on ne prenne pas tout l'espace disponible. Néanmoins, on reste à ras de trottoir sur le sujet. Enfin, si on regarde les images, parce que c'est la seule chose sur laquelle on a pu se baser dans les documents qu'on a eus, on est quand même très, très proche du trottoir de ce point de vue-là. On aurait pu peut-être justement profiter de cet espace pour donner un souffle qui est déjà présent aujourd'hui, on va dire. Ensuite, moi, c'est une question tout simplement d'information des conseillers municipaux. En fait, quand on regarde les documents qui nous sont présentés, alors c'est déjà beaucoup de pages, en plus ça passe le même jour que le budget qui est déjà lui-même un certain nombre de dossiers à examiner en 5 jours, mais en fait, quand on regarde les documents de la promesse de vente et de ce qui est l'achat, il y a plein d'annexes, a priori, dedans. Ce qui est les notices descriptives, ce qui est les plans architecturaux, des choses comme ça, qui nous sont proposées. Il y a 29 annexes au total. Dans tous les documents, il y a 29 annexes qui sont recensées, et c'est marqué, ces annexes sont indissociables de la promesse de vente. C'est les derniers articles de tout ce qui est présent. Et on n'a rien du tout. En fait, on vous donne un chèque en blanc sur ce sujet, sans avoir aucune idée de ce qui est présent dans ces annexes, en fait. Et c'est très perturbant d'un point de vue juste d'un point de vue intellectuel de donner un chèque en blanc sur un projet finalement de promesse de vente sur lequel on n'a pas tous les documents, tous les dossiers. Et enfin, sachant que le permis de construire, je crois, est pas non plus sorti de ce point de vue-là. Et dernier point, parce que ça reste quand même important, on parlait du parking, enfin vous disiez que c'était pas forcément déjà d'actualité. Sauf que on fait ce premier pas. À partir du moment où on fait ce premier pas, en fait, on a quasi fait tous les autres aussi. Et du coup, ce qui est important quand même, j'aurais aimé que dans cette notice, on puisse avoir une sorte, alors pas évidemment forcément avec les personnes, enfin les entreprises en particulier concernées, pour éviter justement de prendre trop d'avance sur les procédures, mais ne serait-ce qu'une sorte de vision du projet global. Comment on aimerait gérer le parking par la suite ?
c'est important. Comment on aimerait que ce pôle de santé soit géré après? Qu'est-ce qu'on attend justement comme occupation à année N plus 1, plus 2, plus 3 de la résidence? Combien on s'attend à avoir de médecins de manière permanente justement sur ces sujets-là? Et en fait, là est toute la problématique, c'est qu'on a une information qui est partielle et partiale sur tout ce dossier qui en fait empêche d'avoir un avis éclairé et correct. Pervitch, il faut qu'on réponde parce que vous avez été très loquace, ce qui est normal. Vous avez posé des questions à laquelle on va répondre. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est pas un chèque en blanc. C'est pas du tout un chèque en blanc. Oui, quelques petits points d'abord. Sur les domaines, vous savez, j'ai l'habitude malheureusement de travailler avec eux et je les plains. Parce que quand on les voit, ils sont complètement surchargés. Ils sont deux sur tout le département à peine. Quand il y en a un qui est malade ou les deux, il n'y a plus personne. Ils ne se déplacent plus. Donc, ils font essentiellement du télétravail. Donc, en regardant sur Google Maps les sites. Donc, je dirais que pour moi, quand on dit le prix des domaines, ben non. Je dirais qu'à une époque, peut-être, les domaines étaient une administration très importante en nombre et en efficacité. Maintenant, ils sont très courageux, ils travaillent bien, mais ils sont complètement... ils n'en peuvent plus. Ils demandent sans arrêt être renforcés. Donc, l'administration des domaines qui a été faite, elle est fouillée. Elle est fouillée. Ouais. Donc, mais attention. Moi, si tu veux, j'estime que... Oui, mais moi, j'estime quand même que, disons, ils ne peuvent pas savoir. Et c'est pour ça qu'ils disent à 10% près, parce que, justement, c'est un minimum. Enfin, pour moi, il y a plus. Hein. Bon. Par contre, Ouais, mais enfin, bon. Moi, je suis très, très dubitatif. Non, elle a été extrêmement fouillée. Il ne faut pas remettre en cause. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, Philippe. Quand on regarde... je l'ai lu très attentivement, ils ont fait une étude comparative, ils sont allés chercher les prix dans les autres villes, et l'estimation des domaines, tant pour la valeur du terrain dans laquelle il faut enlever effectivement 730 000 euros de fouilles, et les autres, c'est parfaitement fouillé. La première, elle n'était pas la deuxième. Allez. En tout cas, au niveau des réponses aux deux autres questions, sur le pôle de santé, de toute façon, ce n'est pas la ville qui va s'en occuper, puisque c'est Sageo. C'est une société qui s'en occupe, justement, privée. Donc, elle va pas nous dire maintenant le nombre de médecins. Ils seront là, les médecins. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, comme ils sont actuellement dans ce qu'ils ont ouvert. Il y en a un au Havre qui fonctionne très bien, par exemple. Et les médecins sont là, les généralistes sont là, tout le monde est là. Donc, avec des mutualisations avec d'autres centres. Et il y en a également sur d'autres villes à côté de chez nous également. Donc, c'est pas la ville qui s'occupe du remplissage du pôle de santé. C'est Sageo, justement, qui s'en occupera. Et qui justement, y trouve sa vocation, puisque c'est pas seulement une société qui veut faire une marge, c'est une société au nom de la Caisse des dépôts également. Et quant à la résidence senior, bah, elle, c'est du privé pur. Et donc, bah, c'est eux qui s'occupent de leur remplissage. Et s'ils ont déjà cette volonté de compléter leur première partie, qui est de l'autre côté, rue de Puebla, c'est bien parce que, justement, ça se passe bien rue de Puebla. Et c'est pour ça qu'ils prennent un complément au marché, en plus de celle qu'ils ont déjà. Alors, j'ajoute une chose, parce que vous avez dit derrière, il y a des... Un instant. Il y a derrière des... effectivement, trois actes très fouillé et très complet. Il y a d'abord l'acte de vente à la ville. Il y a ensuite la promesse de vente en VFA pour les parkings. Et ensuite, troisième lieu, l'acte définitif. Donc tout est là. Ces actes sont extrêmement fouillés, comme vous l'avez vu, très précis. Donc il ne faut pas dire que c'est un chèque en blanc. C'est tout simplement parce que les notaires ont bien travaillé et qu'ils ont fait un travail extrêmement précis à ce propos. D'autre part, on n'a pas encore délivré le permis. On est en train de regarder tout ça. C'est virtuel avant d'arriver, puisqu'on se base, comme vous le savez, sur l'article 1134 nouveau du Code, qui dit que la dérogation à l'article 2141 avec le L2141-2. Donc, on est dans un processus de désaffectation par avance. Il va y avoir une enquête publique. Les gens vont se prononcer à ce propos sur l'acte de désaffectation. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui, effectivement, c'est la première fois qu'on agit de cette manière avec cet article. Mais ça a été vu et revu, parce qu'au début, moi, je me posais des questions. Et effectivement, les parkings sont accessoires par rapport à l'ensemble.
C'est la raison pour laquelle on peut le faire de cette manière. Bien, un instant là. Allez-y, monsieur Givaninovic, vous étiez le premier. Faites un peu court, oui. Parce qu'on va quand même y arriver. Hein. Simplement, on remarque, en regardant ce qui se passe dans les résidences seniors des autres villes, qu'il y a quand même une tendance au maintien à domicile. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais chez les seniors, il y a quand même une volonté du maintien à domicile plutôt que de partir en résidence senior. Donc, est-ce que vous avez des informations plus précises là-dessus ? Deuxième point, quelle concertation a été faite avec le quartier ? Si le projet est là, on peut toujours discuter des goûts et des couleurs, mais ça manque criamment de végétalisation. C'est un peu dans ce style Millard brut qui est dans la ville depuis maintenant un certain nombre d'années. Et on vous alerte sur vraiment ce manque de végétalisation. Troisième point, dans votre business model, vous pourriez quand même nous expliquer ce que vous allez faire du parking. Est-ce qu'on est sur une location mensuelle, journalière, à l'heure? Non, mais ça serait bien de le savoir, parce que ça fait partie de l'équilibre global du projet. Alors, sur le parking, c'est la chose la plus simple à répondre. Il est clair que ce sera un parking public avec des possibilités, effectivement, de location, avec des possibilités, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de parking. Et donc, il pourra y avoir des amodiations conformément à la loi, comme nous le faisons régulièrement. Et bien évidemment, il y aura ici, je peux vous le dire, aussi des facilités le jour du marché où on peut penser que la première heure sera totalement gratuite pour que les gens aillent faire leurs courses. Donc tout ça, c'est à débattre, on en débattra ici, mais à mon avis, ça va dans le bon sens. En ce qui concerne la végétalisation, vous reviendrez voir ici, il y a déjà pas mal de verre là, à tous les étages, et on pourra regarder ça. Pardon ? Pardon ? Les toitures sont végétalisées, parle haut et fort, et dans le micro. Voilà, merci. Attendez un instant, non, c'est pas vous. Il y avait, c'est toi Jean-Claude qui avait demandé la parole ? Non ? Alors, Madame T. Ah non, c'est Monsieur Drôle. Oh là là, ça manquait. Allez-y. Juste deux petites questions. Allez-y. La première, Monsieur Bouvier, vous nous dites, ça marche très bien avec Sageo là pour le pôle santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les contraintes, les obligations de la société ? Qu'est-ce qui vous fait être si sûr de vous que ça va être rempli en quelques années ? Première question. Et deuxième question, sur la période des travaux, vous nous dites qu'il est trop tôt pour y réfléchir, mais les commerçants sont très inquiets. Pendant 2 ans, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en voiture, qui pourront plus venir en voiture. Qu'est-ce qu'on met comme système et comme organisation en place pour que le marché ne meure pas ou ne perde pas 50% de sa clientèle sur les 2 ans de travaux? Non, je dirais simplement que le sujet de la délibération, c'est pas le projet lui-même, hein. C'est la désaffectation du terrain, c'est le détachement du terrain, donc c'est pas ça, hein, je dirais. Donc pour Sageo, je pense qu'on pourra faire une réunion d'information plus précise pour vous donner, parce que là je vais pas rentrer dans le détail de Sageo et de leur technique. Disons qu'effectivement pour moi c'est rassurant. Pourquoi ? Parce que c'est la Caisse des dépôts, parce qu'il y a une volonté de l'État en la matière de surmonter les déserts médicaux, donc il y a une volonté quand même qui est forte à tout niveau. Il y a la volonté de la ville, il y a le fait quand même que la ville est quand même assez accueillante en plus, et que surtout il y a de la mutualisation de médecins entre différents centres, donc c'est très logique, c'est assez vertueux comme système. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce détail, moi ce sera volontiers le moment venu, c'est-à-dire que pour l'instant on est juste au début du processus, on est à la désaffectation de au détachement de terrain, là c'est ça aujourd'hui la délib, hein. Et donc c'est pas le moment où on va parler de tout ça. Ceci dit, par contre, les commerçants, on les a déjà rencontrés, le parking, on a le temps de voir les choses, ainsi que le disait le maire, donc on va en reparler. Enfin, vous pouvez voir sur ce dossier, c'est quand même la troisième fois qu'on vous en parle, on a un processus vis-à-vis de vous, de dialogue à mettre en place progressivement et au moment opportun. Mais là, on vous parle déjà de la tendance. En même temps, sinon, on peut aussi ne rien faire si on est sûr de rien à 100%. Moi, j'estime qu'avec la CDC comme ça et tout, on joue quand même largement gagnant, je pense. Alors, je voudrais rajouter... Attendez, je vais vous passer la parole, je vous demande une chose. Non, personne. Je vais passer la parole à Mme Théron, parce que Mme Lavanne, vous avez déjà parlé. Et M. Ljubovic aussi. Vous pourriez dire un mot, mais s'il vous plaît, rapidement. Alors, je voudrais dire une chose. Les projections que nous avons sur, effectivement, personnes âgées, on est tous appelés à vieillir, même, comme disait mon beau-père, ne jamais mettre de
limite à la bonté du Seigneur. Mais en ce qui me concerne, bon, je rajeunis tous les jours, je vous le dis. Et ça me donne des envies de continuer, je vous le dis. Mais cela étant, n'en déplaise à l'opposition, cela étant... Et à certains de la majorité. Étant, très sérieusement, les projections que nous avons dans notre région, compte tenu de ce qui se passe, c'est qu'on atteint pratiquement des taux de 40% de la population qui aurait effectivement en âge de rentrer soit dans une résidence pour personnes âgées, voire dans des EHPAD. Et que nous avons toujours, ça arrive d'ailleurs très souvent, des sociétés qui veulent s'installer à Maison Lafitte. Pour l'instant, on calme le jeu parce que il n'y a pas que ça. Donc, il y a une très forte demande à ce propos. Donc, je suis malheureusement, parce que ça fait partie de la démographie, de ce côté-là, serein compte tenu des besoins que nous avons à fournir. C'est évident. Vous parliez, Monsieur Gévalévitch, du maintien à domicile. C'est vrai, et ça permet, et c'est moins cher pour la sécurité sociale. Mais il y a un moment, il faut franchir le pas. Le fameux co-living qui est pensé sera justement un substitut à ce titre. Et je pense que ça peut fonctionner. Pour moi, j'ai découvert le concept, mais il n'en demeure pas moins qu'il fonctionne bien par ailleurs. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire. Alors, d'autres points. Attendez, Madame Mauterrand. Merci. Ce que je dirais, moi, sur le projet, c'est qu'effectivement... En tout cas, pour ma part, je suis très heureuse qu'il y ait un projet parce que c'est un terrain de la ville qui va être vendu. Donc, il y a quelque part une responsabilité de la municipalité dans ce qui sera construit à l'issue de cette vente. Je pense vraiment que cette vente est inévitable et que la construction d'un bâtiment l'est également du fait des contraintes gouvernementales. C'est considéré comme une dent creuse. Du fait de sa proximité du centre-ville et de la gare notamment. Donc de toute façon, l'État pousse à monter en verticalisé. On le sait avec notamment la lutte contre l'artificialisation des sols couplée à la densification. Tout ça, c'est dans le ministère de la Transition écologique. Donc de toute façon, il fallait un projet. Je trouve que le projet est plus en adéquation avec les besoins de la ville. On l'avait évoqué aussi, ces besoins d'un pôle santé, de généralistes, de médecins, d'espace. C'est un projet qui va apporter effectivement une vie à la place du marché et que je trouve peut-être plus utile que des bureaux, ce qu'on aurait eu auparavant, bureaux vacants en plus, malheureusement. Donc c'est important. Après, ce que je ne comprends pas très bien, c'est la confrontation du plan cadastral avec cette parcelle 596 qui va être créée de 418 mètres carrés qui est devant, c'est-à-dire le long du trottoir, et le projet qui nous est présenté en visu. Donc ça doit être une demande de permis de construire où on voit que le bâtiment est très proche de la route. Donc là, je pense qu'il y a un petit sujet, effectivement, entre ce qu'on va voter ce soir et le projet de construction lui-même. Je rejoins aussi mes collègues sur les évaluations des domaines où effectivement, si on avait pu vendre au prix d'évaluation moins les 10 ou 15% de marge, on aurait pu effectivement avoir plus d'1,5 million supplémentaires. Si ça, ce sont les calculs. Si vous voulez, je refais 7 millions de prix de vente. Enlever les 700 000 euros de la dépollution. Mais justement... Mais non, mais vous arrivez non, mais exactement à ces chiffres-là. Ça non, été pas vu du et tout. Revu. Mais non, 1,5 million, 700 000 euros, je suis désolée, on parle du double. Et justement, c'est ce que je voulais vous dire. Si effectivement cette différence, elle provient de la négociation avec l'acquéreur potentiel, en tout cas celui qui avait sans doute le projet le plus pertinent, pourquoi dans ce cas-là, dans la négociation, on ne leur met pas à leur charge les frais de dépollution? Vous voyez, c'est tout ça. Simplement. Mais oui, ça vous fait rire, mais on perd 1,5 million. Et quand on voit, laissez-moi juste finir, le montant de la subvention foncière pour surcharge foncière qu'on verse à la SAEM, dont vous êtes le président, qui revient à 80 000 euros par logement social, on peut se dire qu'effectivement, les terrains à Maison Lafitte coûtent très cher, d'autant plus en centre-ville. Donc oui, peut-être qu'on s'est lésé quelque part dans le prix de vente, mais également le prix d'achat des places de stationnement. Et là, c'est 1,5 million tel qu'il en ressort. Mais alors, de toute façon, merci, laissez-moi finir, parce qu'après, je ne prends plus la parole. Mais ça fait la troisième fois que vous me disiez de finir. Mais oui, mais vous me laisserez finir. Ce qui me rassure quand même, c'est qu'on va voter donc l'autorisation du maire à signer la promesse unilatérale de vente du terrain à cette société, et que de toute façon, il y a tellement de conditions suspensives à cette vente
notamment l'annulation des délibérations de ce soir ou tout simplement un recours des tiers sur le projet de construction, que de toute façon, je pense que ça n'ira pas très loin. Voilà. Une chose, que certaines fassent du recours, c'est la loi. Mais ils prendront quand même une sacrée responsabilité au regard de vos propos initiaux. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ajoute une chose, c'est que c'est pas avec des recours, certains, parce qu'il m'est revenu des échos, tout se sait, vous savez. Et je tiens à vous dire qu'effectivement, c'est un projet qui est difficile à monter. Les emmerdements, on en aura quelques-uns. Je voudrais simplement dire que nous avons prévu, bien sûr, des dispositions particulières pour les jours du marché, des voitures puissent accéder au marché. Ce sera fait par des, je dirais, dans les rues adjacentes. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, je crois qu'il est dans notre optique et mission d'avoir un projet qui va être, je dirais, important pour la ville et apporter à nos concitoyens des services. Et si vous contestez les prix, c'est que Philippe va vous l'expliquer, c'est que derrière, il y a des investisseurs. Et que les investisseurs, aujourd'hui, ont effectivement des contraintes très fortes par rapport à ce qu'était le marché il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà. Même il y a 6 mois, même il y a 3 mois. Et donc, les prix effectivement doivent être compétitifs. Donc, ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Lorsque, je peux vous dire que, parce qu'il faut quand même rappeler que le projet initial des bureaux que vous, sur lequel vous ironisez, ça a commencé en 2006. Et que depuis lors, effectivement, il y a de l'eau qui est passée dans la Seine. Et qu'il a fallu, effectivement. Mais les processus étaient tellement longs, et à l'époque, on n'avait pas appliqué le 11-21-22. Et donc, les processus, que ça a été une suite d'embûches tout du long. Maintenant, s'il y en a qui font, je vous le dis tout net, des recours, ils les feront, mais ils en porteront la responsabilité devant la ville. Mais je vous ai répondu, madame. Je vous dis juste, bon, la concertation avec les voisins, ça évite ce type de recours. Donc, c'est important. La concertation, notamment avec le voisinage, puisque vous savez qu'il y a une pétition, ça évite ce type de recours. Si vous, ne soyez pas naïve. Vous avez des gens qui se foutent pas mal du voisinage, qui n'habitent même plus là, et qui font des recours. Je peux vous citer 15 cas par la ville, des gens qui étaient au fin fond de la France et qui ont fait des recours pour avoir du fric de la part des promoteurs. Hein, je tiens à vous le dire. Donc, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y en a qui sont dans des optiques politiques et qui vont dire, comme ça, ça va emmerder Miard. Eh ben, bon, ça emmerdera pas Miard, ça emmerdera la ville. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Et je vais pas, donc, on fera face. Je peux vous dire effectivement que c'est un projet important, qui va pas être facile à mener à terme, mais nous avons la ferme intention de le mener. Alors, sur les problèmes Non, c'est simplement pour dire effectivement que le marché de l'investissement s'est fracturé très violemment. Donc, pour une raison très simple, c'est que l'investisseur, il achète en fonction d'un flux locatif et d'un taux, le taux résultant de son moyen de financement. Il empruntait encore à du 2,40, 2,80 il y a quelques mois. Ils sont maintenant à 4,50 à peu près. Et donc, bien évidemment, le résultat, c'est que les taux de rendement qu'ils appliquent au flux locatif sont maintenant très, très... On diminue d'à peu près 20%. Donc, l'investissement locatif devient l'investissement au niveau des exploitants de ce centre, du pôle de santé et de la résidence senior, devient très difficile à régler. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets actuellement qui ne sortent pas, pour la raison très simple, qu'il ne s'équilibre pas. Nous, si ça s'équilibre, c'est parce que le pôle de santé médicale, Sageo, a un investisseur qui, là aussi, vient aussi au nom de l'État, quelque part, et donc qui accepte un taux de rendement nettement inférieur à ceux qui sont dans le privé. C'est aussi ça qui nous aide. Donc, c'est assez bénéfique comme point. Et sur la résidence senior, on y arrive, certes, et le co-living senior, mais on est très limite. Il est certain que si vous avez voulu qu'on aille aux chiffres indiqués, l'opération ne tournait pas, elle n'avait pas lieu, c'est tout. Donc c'est une question certes de négociation, mais on ne peut pas dire qu'on est mauvais parce qu'on n'a pas obtenu 1,5 million de plus. On peut toujours dire qu'on aurait pu obtenir 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ben oui, mais l'opération ne se fait pas. Là, on estime qu'on a été au mieux de ce qu'on pouvait faire. Mais simplement et encore une fois, ce n'est pas l'objet de la délib de ce soir. Alors je voudrais insister sur un point, parce que je ne peux pas laisser dire ça. Lorsque nous avons fait le Rond-Sévigné et que nous avons justement viabilisé les terrains, nous avons sorti un prix par mètre carré qui défie la concurrence dans le parc de Maison Lafitte. Si nous n'avions pas fait ça, nous n'aurions pas pu construire des écuries. C'est aussi simple que ça. Vous raisonnez comme si c'était des logements de haut standing.
Je suis désolé, on aurait pu demander effectivement 10 millions d'euros pour le terrain, mais c'est pas ça. Là, nous voulons avoir un établissement pour les personnes âgées, nous voulons avoir un co-living et nous voulons avoir un pôle de santé. Donc nous sommes obligés effectivement de tenir compte de la réalité du marché et des investisseurs. Voilà. Bon, monsieur Lelevitch, pour une rapide, s'il vous plaît, parce que je voudrais passer au vote. Oui, oui, ça va être rapide, mais enfin, encore une fois, peu importe qu'on croit les domaines ou pas, la question, enfin, vous débrouillerez entre vous sur ce sujet-là, mais d'un côté, en effet, on prend la fourchette la plus haute, de l'autre, on prend la fourchette la plus basse. En gros, le marché est tendu quand il nous faut vendre, et il est. En gros, enfin, dans le sens où. Ce que je disais, c'est que qu'on croit l'estimation des domaines ou pas, c'est votre problème. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on prend la fourchette haute d'un côté et on prend inévitablement la fourchette la plus basse de l'autre. Je comprends que c'est tendu. C'est vrai. Mais enfin, on peut refaire les calculs, je vous assure. Je vous assure. Les 10%, les 15%, ils sont là. On pouvait pas baisser plus bas, on pouvait pas augmenter plus haut. Sur l'estimation. Enfin, soit. On n'est pas d'accord sur les maths, prenons. Mais, et derrière, là-dessus, un point sur lequel je suis pas d'accord avec monsieur Bouvier, c'est que quand on regarde le déclassement de la parcelle, c'est un des 4 points qui nous est proposé dans cette délib aujourd'hui. Le deuxième, c'est la promesse de vente. Et ensuite, on a cette notion de promesse d'achat en numéro 4. Donc, inévitablement, si c'était juste le déclassement, on n'aurait pas ce débat, en fait. Mais c'est inévitable. Tout est lié, je suis désolé, tout est lié. Vous ne pouvez pas avoir une promesse d'avance sur quelque chose qui est fictif. Donc vous devez d'abord délimiter effectivement la parcelle que vous allez vendre. Ensuite, effectivement, derrière, il y a des obligations. Et je le redis, c'est que si nous avions voulu construire des logements, je dirais, de très haut niveau, même avec même avec 30% de logements sociaux, je peux vous dire que le prix, il se serait envolé. Parce que les premières estimations ou les premières demandes qui nous sont parvenues, c'est que les gens, ils voulaient bétonner pour faire du logement. Et nous, nous avons dit non, nous voulons quelque chose qui soit ce projet. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, merci, on s'est compris. Puis, juste un mot. Alors, madame, on va passer au vote, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Mais rapide, s'il vous plaît. Hein. Mettez votre micro. Donc, explication de vote. Aujourd'hui, c'est un terrain public qui est à usage pour le marché. Et donc, on aurait très bien pu imaginer, et nous, ce que moi me semble plus logique, un projet où le tout aurait resté public. Parce que la maison de santé privée, il en existe moult maisons de santé qui ont prévu des murs, mais où, avec des loyers trop élevés, les médecins ne viennent pas. Et là, on a un risque que les médecins... Mais ce n'est pas le problème. Ils sont là, ils ne sont pas fixes. Ce sont des médecins gérés par une société. Donc, il n'y a pas du tout de risque à ce niveau-là. Il n'y a aucun. Ce n'est pas du tout ce fonctionnement-là. Et si on fait complètement du public et pas de privé, l'opération ne tourne pas, elle est déficitaire pour la ville. C'est un projet global et on n'a pas présentation des mesures compensatoires pendant les travaux, parce que certaines mesures compensatoires ont pu être prises en charge par le promoteur. Là, rien n'est envisagé. Madame, et donc on est à l'aveugle. Nous poursuivons, Madame Lavagne. Écoutez un instant et mélangez-vous pas tout cet amalgame. C'est un projet, effectivement, avec le concours privé qui va nous livrer donc un parking dans les conditions que j'ai rappelées. C'est un projet qui, effectivement, demande un effort en ce qui concerne les coûts et j'espère que ça va passer. Parce que ça, on ne sait même pas encore, compte tenu de l'envolée, notamment des taux, parce qu'on n'en est pas là. Et donc, nous avons un investisseur qui vient, un investisseur privé qui fait cet investissement dans une quasi-mission de service public. Voilà, c'est ça le problème. Bien, non, maintenant, s'il vous plaît. Et donc, monsieur le maire, nous sommes contre, on a le droit d'exprimer pourquoi on est contre. Le projet. On n'a pas pu exprimer pourquoi on est contre à cause du montage juridique qui n'est pas à l'avantage de la finance de la ville. S'il vous plaît, madame Lavagne, est-ce que vous allez quand même cesser de dire des choses, des contre-vérités pareilles? Le projet est très clair sur le plan du droit. Très clair sur le plan du droit. Il permet effectivement d'avancer en avançant dans toute la processus de désaffectation. C'est ça la réalité. Bien. Alors maintenant, le sujet, c'est l'intérêt de la ville, madame. Vous savez, il y a un moment, il faut savoir vous contrôler.
Alors maintenant, qui est contre? Eh bien, bravo, je vous félicite. Qui s'abstient? Merci. Et je remercie Philippe Bouvier pour ce travail qui a demandé beaucoup de travail et qui a commencé bien avant l'échec que vous avez mentionné tout à l'heure. Bien, eh bien, je poursuis et je remercie effectivement ce vote qui va être pour un projet qui va servir notre ville. Bien, alors maintenant, alors je passe parce que ça avance. Le 23, alors la ZAC de Maison Lafitte, où on reprend encore un peu de temps. Faire engueuler quand même à la place des autres. Bon, simplement, les travaux de raccordement ont pris du retard sur le dernier bâtiment à réaliser dans le cadre de la ZAC, aux deux rues de la Vieille Église, ainsi que l'acquisition que quelques parcelles à droite à gauche, où ça pointe tout le temps. Donc, Citadio doit prendre un peu plus de temps pour finaliser et clôturer cette ZAC. Donc, je vous demande de reprolonger un peu. Alors, pour éviter de revenir tous les 6 mois, on a demandé 1 an, tout simplement, en espérant, bien évidemment, que ça aille beaucoup plus vite et vous croyez bien qu'on les pousse. Voilà. Je rappelle que nous avons commencé cette ZAC en 1989. Donc, voilà. Qui est contre? Merci. Alors, je poursuis maintenant. On a... On arrive à des sculptures sur l'hippodrome, je ne me trompe pas, hein. C'est ça. Alors, Madame Vivien, expliquez-nous quelles sont ces statues. Alors, il vous est proposé d'approuver l'achat par la ville, vendu par France Gallo, de 3 grands bronzes de haute valeur, qui ont très certainement appartenu au premier hippodrome entre 1878 et 1902. Grand sculpteur animalier, une paire de Danois de grandeur nature, des dogs danois, par le sculpteur Georges Gardet, et le lion au serpent, par Antoine-Louis Barry, dont le premier exemplaire, fondu en 1833, a été acheté par le roi Louis-Philippe, et nous avons un exemplaire qui date d'après 1833. Ce sont plus des vases en grès qui sont pour l'instant pas datés. Voilà, donc ce sont des très belles œuvres d'art qui appartiennent au mobilier, donc qui sont distinctes de l'achat de l'hippodrome par la ville. Y a-t-il des remarques? Madame Théron, vous voulez les acheter? Madame Théron, vous voulez les acheter? Non, mais je voulais préciser. Non, je voulais savoir comment le prix avait été déterminé. Et puis aussi, peut-être une remarque en me disant que dans la mesure où la ville sauve France Gallo du poids de cet hippodrome qui était quand même un peu un fil à la patte et très déficitaire pour eux, ils auraient peut-être pu en faire un don à la ville, tout simplement. Le prix, ça a été une proposition faite par France Gallo et je suis remonté à la direction générale pour leur dire... pourquoi? Et c'est les notaires, effectivement, de France Gallo qui ont estimé que l'estimation des domaines avait été faite sur les immeubles et pas sur ces statues qui sont là depuis 1850 ou presque. Et, oui, on a compris. Et qui sont là depuis 1850 mais c'est pas la peine, on sait très bien qu'elles sont là depuis le 19e siècle. Voilà. Et qu'elles appartenaient notamment à l'hippodrome ancien. Donc, c'est ça. Et donc, les notaires avec lesquels il a fallu ferrer, notamment, parce que je vous signale que l'achat et la conclusion de l'acte du rachat du 28 mars, ça a duré des mois et des mois, avec une négociation ardue où chaque l'EPFIF a bataillé avec le contrôleur d'État et avec les notaires. Et donc là, ils ont dit, désolé, sinon on les prend, ce qui aurait été, à mon avis, une imbécilité. Et donc, ils ont bataillé, ces notaires ont dit, des notaires de France Gallo, désolé, l'estimation des domaines ne porte pas là-dessus. Alors, on peut en discuter longtemps, etc. Il n'en demeure pas moins, c'est la mobilisation du poisson du lac, on la connaît tous. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement. Et donc, j'ai négocié, et la direction générale de France Gallo a baissé de 7 000 euros. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Madame Fuma.
Merci, monsieur le maire. Je me demandais juste si vous alliez saisir l'opportunité pour déplacer votre cheval Ptolémée de la place du Maréchal Juin à l'hippodrome pour enfin le remplacer par des arbres sur cette place. Mais oui, c'est les arbres, je vous en mettrai un pour que vous puissiez un jour, je dirais, le regarder avec contemplation. Je vous rappelle qu'il y a dans l'urbanisme de cette ville, d'une part, des zones très vertes et d'autre part, des zones minérales qui nous permettent d'organiser un certain nombre de manifestations. Alors, c'est inutile de polémiquer encore, madame. Il y a un moment, j'aimerais que vous regardiez les réalités en face et que vous parliez de manière responsable. Bien. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, monsieur Gévelet, vous avez des choses à dire sur les statuts? Oui, je comprends pas bien pourquoi il y a un lien très fort avec le rachat de l'hippodrome. Ça pouvait pas être mis dans ce que vous nous avez présenté ou pas vraiment présenté tout à l'heure, qui est l'espèce de mécanisme parallèle qui coûtera rien à la ville. On pourrait pas l'inclure là-dedans. Écoutez, c'est pas tout à fait la même chose parce que ça, ce sont des statuts qui vont appartenir à la ville. Le reste, c'est qu'il va y avoir ensuite un certain nombre. On verra ensuite sur la dévolution de ces statuts si le coût que ça va peut être dévolu à de nouveaux acquéreurs. Voilà. On leur revendra allez. Donc. Ben vous verrez bien. Parce soyez patient un peu, monsieur Givanilovitch. Ne vivez pas dans vos fantasmes. Bien. Alors qui est contre? Personne. À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, monsieur Ginonecki, s'il vous plaît. Oui, en ce qui concerne le personnel communal, trois sujets. Premier sujet, c'est voter en ce qui concerne la mise à niveau d'un certain nombre de fonctionnaires par rapport au tableau des effectifs. Le comité social territorial a donné son avis. Il s'agit soit des rectifications, soit des fonctionnaires qui sont remplacés par d'autres, soit des réussites à des concours ou des élévations. Donc, je crois qu'il n'y a aucun problème. Le deuxième sujet, c'est la rémunération de professeurs du conservatoire s'agissant des concours pour permettre, évidemment, à classer les élèves, et c'est traditionnel. Et le troisième sujet qui me semble le plus intéressant, c'est la création de 4 postes par rapport aux apprentis. En fait, il faut lire la formation par alternance. Nous avons actuellement 8 personnes, et ça rejoint les débats du début sur l'insertion de jeunes. Nous avons donc 8 personnes qui sont en formation par alternance, et nous avons tenu à ce que nous passions de 8 à 12. Pour votre information, ce sont des diplômes très variés. Nous avons avec ces 12 3 masters, par exemple 3 CAP. Ce sont des stages qui vont permettre à ces personnes d'obtenir leur diplôme. Et puis aussi une grande variété des spécialités. Donc je crois que c'est une question très intéressante et qui rejoint vos premières préoccupations du début. Voilà, je vous demande donc de voter pour l'ensemble. Il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, un point qui s'appelle le point, que je regarde bien, donc ça doit être 46, 36, pardon. Voilà, je vieillis avec les chiffres romains. Il s'agit effectivement d'une modification des statuts, dans la mesure où, un, il y en a deux, Fourgous et Saint-Germain ont fusionné, et sur, c'est une ville nouvelle pour ce qui est maintenant, ça s'appelle donc Saint-Germain-Fourqueux, et il y a ensuite le fait que tous les budgets qu'on a votés en interface, c'est-à-dire eau, gaz, électricité, passent maintenant dans la responsabilité juridique de la communauté d'agglomération, étant entendu que sur le plan local, nous travaillons avec eux parce que l'agglo n'a pas les moyens de gérer tout ça. Donc c'est une interface permanente avec la communauté d'agglomération. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Merci. Et enfin, Madame Marie Dessalins, vous avez le privilège de clôturer au point 37. Il est proposé d'approuver l'adhésion de la commune du Chenay-Roquencourt au CIFUREP au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres. Voilà, c'est tout. Marc, et comme disait notre ami Philippe, il faut prévoir cela aussi. Ben oui, que voulez-vous? Bien, pas d'objection, notez. Alors, vous notez le 26 juin pour un prochain conseil municipal. Je vous souhaite le bonsoir
et vous remercie de votre patience en dépit de tout.